Mesdames, messieurs. Azul. Bonjour, mesdames et messieurs. Hein? Veuillez vous approcher, s'il vous plaît. L'agora du mouvement Double Rupture qui est dédié aujourd'hui aux femmes qui se battent en Algérie contre la misogynie, contre le sexisme, qui se battent pour l'abrogation du code de la famille, qui se battent pour que les lois du pays s'inspirent des lois universelles et non d'une quelconque religion. Mesdames et messieurs, nous dédions donc cet espace aujourd'hui, nous le dédions aux femmes algériennes et aux femmes du monde pour leur combat pour l'égalité. Les avancées dans certaines contrées du monde sont spectaculaires. Dans d'autres contrées du monde, malheureusement, il n'y a pas d'avancée notable. Bien au contraire, nous assistons à une mort programmée de la question féminine. Nous assistons à une régression qu'on n'a jamais vue auparavant. Et aujourd'hui, nous dédions notre espace au combat de ces femmes qui luttent pour leur existence, au combat des femmes en Algérie qui sont soumises au code de la famille, le code de la honte, un code qui fait d'elles des sous-citoyennes, un code qui fait d'elles des mineurs à vie. Le salut de ce pays vient de là, en fait. Le salut de ce pays dépend des femmes, dépend de ces femmes. Tant qu'il y a de la misogynie, tant qu'il y a du sexisme, tant qu'il y a de l'obscurantisme, il n'y aura pas d'avancée. Nous en sommes convaincus. Nous avons diagnostiqué la situation. Et nous avons conclu que sans libération des femmes en Algérie, il n'y aura aucune avancée. Aucune. Pourquoi ? Parce que le meilleur révélateur, le meilleur signe, le meilleur élément qui fait qu'il y ait démocratie, qui fait qu'il y ait liberté, c'est justement la liberté de la femme et la liberté de toutes les minorités. Leur droit d'exister, leur droit de vivre, leur droit d'expression. Mesdames et messieurs, approchez et rendez hommage aux femmes qui se battent. Rendez-leur hommage. Rendez hommage aux femmes qui sont piétinées, dont le droit est bafoué. Nous, dans quelques instants, je donne la parole aux femmes, à ces femmes. Et avant cela, nous allons présenter une prestation artistique que Nassar va, le concepteur, le réalisateur. Donc Nassar va organiser un happening, une performance artistique qu'il va expliquer lui-même. On demande l'assistance et l'aide du public parce qu'on va présenter une performance, un happening artistique dédié à la femme. Cette performance, cette présentation masquée, fait référence à des happenings observés récemment à travers le monde, notamment des femmes chiliennes, contre les féminicides, les viols, le sexisme. Donc c'est une présentation qu'on va présenter ici, devant vous. Juste, on demande l'aide du public, sa participation, son implication, parce que c'est un happening. Happening, ce qui va se passer. La révolution
respecte les Samaras. La révolution, ainsi participe les Samaras. La révolution, ainsi libère les Samaras. La révolution, respecte la femme. La révolution, fait participer la femme. La révolution, libère la femme. La révolution, libère la femme. Vous allez les aider? Je suis là. En attendant, je donne le micro aux femmes de continuer et nous on va se préparer pour le happening, la performance artistique ici. Bonjour à toutes les femmes, bonjour à tous les présents. Salam alaikum, Azul Flawen. Voilà, comme chaque année, les femmes dans le monde entier célèbrent le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Cette journée est pour nous une journée pour marquer les avancées de lutte menées par les femmes. Et aussi, c'est pour nous une journée pour dénoncer toutes les inégalités et les discriminations que subissent les femmes dans le monde entier et dans notre pays, l'Algérie. Chers amis, cette année, nous célébrons le 8 mars dans un contexte un peu particulier, qui est celui de la COVID-19, qui n'a fait que accentuer la précarité de la situation des femmes sur le plan social et économique. Les violences conjugales, les violences familiales et l'action et aussi le féminicide. Aussi, une situation difficile sur le plan économique et social. Le chômage, la problématique d'accès au logement et aux hébergements d'urgence, plus la détresse psychologique, l'accès aux droits et du conseil juridique. De l'autre côté de la rive, en Algérie, les femmes font face à la même situation et encore une situation plus sévère. Depuis 2019 et depuis le mouvement populaire algérien, les femmes algériennes se sont engagées dans la bataille pour construire l'Algérie libre et démocratique. La bataille de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Les violences et le féminicide qui se sont aussi accentués pendant cette période, entre 2000 et 2021. Sur l'année 2021-2020, nous avons constaté qu'il y a 50 femmes qui ont été assassinées. Et parmi ces femmes, il y a des jeunes filles, il y a des femmes au foyer, il y a des petites adolescentes, il y a des vieilles, et aussi il y a et des mamans dans toutes les villes de l'Algérie. Sans oublier la disparition des jeunes filles et le kidnapping et la disparition qui deviennent un fléau, comme un fléau social. Beaucoup de militantes, beaucoup d'activistes,
du mouvement populaire algérien ont été incarcérées, battues et harcelées quotidiennement pendant ce mouvement. Elles ont été touchées profondément dans leur dignité. Je profite de cette occasion pour saluer les luttes des femmes dans le monde entier, surtout celles qui luttent face aux forces obscurantistes de l'islam intégriste qui essayent de s'imposer par la violence et les armes. Et dont les premières victimes sont les femmes. Mes amis, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, d'une crise économique, d'une crise religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Cette phrase, elle a été prononcée par Simone de Beauvoir et elle est encore d'actualité et je pense que vous l'avez remarqué avec le Covid-19. La Covid-19 et les premières victimes, c'est les femmes et un recul important par rapport aux droits des femmes. Et nous sommes là aujourd'hui, mes amis, tant que l'égalité n'est pas atteinte, on sera là, et chaque 8 mars, on sera là tant que l'égalité des droits entre les femmes et les hommes ne sont pas atteintes. En Algérie, nous continuerons à se battre pour une Algérie libre, une Algérie démocratique, une Algérie laïque et sociale. En Algérie, on se battra et on s'est battu pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, pour l'abrogation du code de la famille. On s'est battu depuis son existence. En 84, les femmes en Algérie se sont mobilisées depuis toujours pour l'abrogation du code de la famille, qui reste un code qui met la femme en position de mineure. On se battra aussi pour dénoncer, pour stopper toutes les violences faites aux femmes algériennes. Mes amis, la révolution algérienne est en marche. La révolution algérienne ne se fera pas sans les femmes algériennes. Ou Tahia al-Jazair. Merci. Maintenant, je vais donner la parole à Alia qui est une militante féministe et aussi une halakiste sur la place de la République qui va lire une déclaration des féministes de double rupture. Voilà, Alia. Bonsoir, khair alaykoum. Bonjour à toutes. Maintenant, on dit Azul Flawen. C'est tout ce que j'ai appris. Mazel Khair Qaddam. Écoutez, il va y avoir des redis, tant pis, mais sur 365 jours, nous avons un jour où nous pouvons crier notre détresse et notre mobilisation. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour faire entendre nos revendications et pour exiger la réalisation des droits des femmes, pour exprimer aussi notre solidarité avec les femmes du monde entier. Là où il y a des reculs, nos droits reculent également. Quand les droits avancent quelque part, nos droits avancent aussi. C'est pour ça que la solidarité internationale est impérative. Les femmes, comme l'a dit Khadra, sont les plus touchées par la pauvreté et la précarité engendrées
par la crise. Elles sont surexposées au risque de contamination. Elles sont surexploitées, les caissières, les auxiliaires de vie, les infirmières, enfin, toutes celles qu'on appelle les premières de corvée, que nous saluons pour leur dévouement. Ce confinement a vu une augmentation des violences au sein du couple, ainsi que les violences sexistes et sexuelles qui exigent une mobilisation de la société pour les dénoncer et les combattre. Partout dans le monde, viols, féminicides, harcèlement, traitements inhumains, les violences à l'encontre des femmes et des filles sont de plus en plus répandues et de plus en plus dévastatrices. Des milliers de femmes et de jeunes filles voient leurs droits bafoués et leur dignité piétinée. En Algérie, lors des manifestations de Hirak, les femmes et les jeunes filles sont harcelées, molestées. Lors des arrestations, les femmes ont subi des traitements dégradants, allant des insultes aux fouilles corporelles invasives. Seule la mobilisation a permis la libération de Samira Msoussi, Nour El-Houda Dahmani, Nour El-Houda Ogabi, Dalila Touat, Oujham El-Wahda. Aujourd'hui, nombre de femmes défenseurs des droits humains croupissent dans les prisons de leurs pays respectifs. Je voudrais qu'on ait une pensée pour... Je voudrais qu'on ait une pensée pour Nasrin Sotoudeh en Iran. La justice iranienne l'a condamnée à 33 ans de détention et 148 coups de fouet. Elle entame une grève de la faim. Après 45 jours, elle est hospitalisée. Après deux libérations temporaires pour raison de santé, elle est de nouveau incarcérée depuis le 20 janvier et bien sûr, sa vie est en danger. Khitem El-Sarfin, présidente des comités de femmes palestiniennes, placée en détention administrative depuis le 2 novembre 2020 pour ses actions envers les droits humains, les droits des femmes. Elle devait être libérée cette semaine, mais sa détention a été prolongée de 4 mois. C'est le principe de la détention administrative arbitraire qu'exerce Israël sur les prisonniers palestiniens. La militante pacifiste saoudienne Loujain Al-Hathloul est sortie de prison après 1001 jours de détention dans des conditions inhumaines. Nous ne pouvons rester insensibles au calvaire des jeunes femmes yézidis, violées, vendues comme esclaves sexuelles. Nadia Mourad, qui a réussi à s'échapper de 3 mois de captivité par Daesh, nous dresse des témoignages poignants. Nous sommes ici pour réaffirmer notre soutien, notre solidarité à toutes celles qui résistent, qui ne baissent pas les bras et qui en payent le prix fort. Notre solidarité à toutes les femmes du monde entier qui luttent pour leurs droits fondamentaux. Pour nous, Algériennes, cette journée s'inscrit dans notre lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes et pour un état de droit, une république laïque, démocratique et sociale. Merci beaucoup. Solidarité avec les femmes. Madame Chouad Bebeïcha. Solidarité avec les femmes du monde entier. 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 Solidarité avec les femmes
algérienne. Maintenant, je donne la parole à la présidente de l'association à Appel Égalité. L'association Appel Égalité est une association qui se bat pour l'égalité des droits des femmes en France. Et elle se bat aussi contre le code de la famille en Algérie. Alors j'appelle Madame Feriel. Je vais tout de suite faire une précision, je ne suis pas présidente. Il n'y a pas de présidente dans notre association. On fonctionne en collège démocratique. Alors, notre association existe depuis 30 ans, plus de 30 ans maintenant, en France. Et notre objectif, c'est la solidarité avec les associations de femmes en Algérie qui luttent contre le code de la famille. Mais ce n'est pas une solidarité formelle de principe, c'est une solidarité qui existe parce que les femmes migrantes, les femmes résidentes en France, légalement ou pas, sont des victimes du code de la famille. Alors, par principe, on est pour l'égalité parce que on ne peut pas concevoir une demande ou une revendication démocratique sans qu'il y ait, bien sûr, le principe d'égalité inscrit dans les principaux fondements. Vous voulez la démocratie ? Oui, vous allez me répondre oui, mais jusqu'à quel point ? On veut une justice indépendante, on veut un pouvoir législatif représentatif, on veut un pouvoir exécutif responsable devant le peuple, mais aussi il faut que l'égalité entre femmes et hommes fasse partie de ces piliers de la démocratie qu'on va construire. Sinon, il s'agirait d'une démocratie bancale et inapte à survivre. Et en fait, les femmes, pendant le Hirak, depuis 2 ans, elles ont montré, elles ont rappelé toutes les luttes antérieures des femmes algériennes pendant la période nationaliste pour l'indépendance de l'Algérie. Et ensuite, sans arrêt, le mouvement féministe a demandé une réelle citoyenneté. Réelle citoyenneté, ça veut dire des libertés publiques, garanties, les libertés d'expression, de manifestation. Tout à l'heure, Alia a cité les femmes qui ont été emprisonnées, interpellées. Jusqu'à présent, les femmes sont soit sous le coup de procès, soit menacées d'arrestation. Lundi 8 mars, des femmes vont manifester à travers les villes d'Algérie. Eh bien, nous avons peur pour elles. Nous avons peur qu'elles subissent des interpellations, des arrestations et des procès arbitraires. Donc, on voit bien qu'elles sont pleinement parties de cette construction de l'Algérie démocratique. Et tout le monde doit en être convaincu comme un apport d'une force pour cette construction de l'Algérie que nous voulons, de l'état de droit que nous voulons. Et c'est ça que nous devons soutenir pour avoir une lutte complète, unie et solidaire. Et comme pour renforcer ce qu'on dit Khadra El Alia, vive l'Algérie démocratique, libre, avec toutes les libertés publiques et individuelles, avec une justice indépendante, un pouvoir législatif représentatif et enfin l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous nous battons pour tous ces objectifs en même temps. Souad Barissa, militante féministe. Voilà, nous sommes engagés depuis de nombreuses années. Peut-être qu'un jour on vous parlera de l'histoire des luttes des femmes algériennes avant l'indépendance et pendant la guerre de libération et après l'indépendance. Je vous passe Souad Barissa. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais m'adresser aujourd'hui au public en tant que femme algérienne,
mais aussi au nom de l'association Femmes Solidaires, qui est une association française et qui soutient les Algériennes depuis plus de 60 ans, puisque Femmes Solidaires, qui s'appelait auparavant l'Union des Femmes Françaises, a été solidaire des Algériennes pendant la guerre de décolonisation. Et aujourd'hui, si cette association s'appelle Femmes Solidaires, c'est aussi grâce aux Algériennes, parce que l'Union des Femmes Françaises, après ce qui s'est passé pour les Algériennes dans les années 90, elles ont été l'une des premières associations françaises à soutenir les Algériennes, à les protéger, à dénoncer le terrorisme islamiste. Et donc, de ce fait, depuis des années de solidarité internationale, le mot « l'Union des femmes françaises » ne voulait plus rien dire, et elles sont donc devenues « femmes solidaires ». Aujourd'hui, le combat des Algériennes, comme viennent de le rappeler Khadra, Alia et Feriel aussi, c'est un mouvement qui est politique. Il ne s'arrête pas à une revendication uniquement de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une véritable revendication politique, parce qu'à partir du moment où on réclame un état de droit, un état démocratique, il est impossible qu'une société elle laisse sur le côté 50% de sa population. Et ce 50%, ce sont les femmes. Si les femmes ne sont pas à l'égal des hommes, non pas d'une considération biologique, mais d'une considération des droits, parce qu'on ne peut pas dire, d'une part, je veux une société démocratique, et que de l'autre côté, des femmes aient des droits différents et qui ne soient pas égalitaires avec les hommes. Et Femmes Solidaires est aussi avec un statut consultatif à l'ONU, et elle a très souvent porté la loi des Algériennes devant les instances de la Commission d'élimination des discriminations contre les femmes pour apporter leurs revendications, et surtout dans les années 90, face au terrorisme islamiste, parce qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. En 1994, alors qu'enfin le viol était reconnu comme crime de guerre, était comme reconnu comme crime contre l'humanité, il y a une loi qui a retiré tout ça aux Algériennes. C'est la loi de réconciliation nationale. Et aujourd'hui, si nous avons une revendication aussi à mener à côté de l'abrogation du code de la famille, c'est l'abrogation de la loi de réconciliation nationale qu'il faut réclamer. Voilà en quoi, en tant qu'Algérienne, mais aussi en tant que membre d'une association française qui soutient le combat des femmes à travers le monde et celle des Algériennes, nous les soutiendrons jusqu'au bout dans leurs revendications politiques de transformation du pays et de transformation sociale. Parce que sans égalité, il ne peut pas y avoir de démocratie. Et vous ne pouvez pas dire « it's not guerre » sans retirer le patriarcat et les mentalités archaïques qui existent dans la société algérienne. Merci. Merci Souad. Merci Souad. Khadra. Voilà, nous avons une copine qui est une habituée de l'agora de double rupture. C'est Hayat. Hayat, alors, c'est une militante. Elle est dans le comité de soutien à l'Ardéré. Elle voudrait aussi dire un mot. Voilà. Messa el khir. Tahia el mar al jazaïriya win makanet. وحقوق المرأة الجزائرية وين ما كانت. Aujourd'hui, dans un moment, je vais vous offrir tous, à toutes les femmes, une fleur. Mais d'abord, ce bouquet de fleurs est offert pour la femme algérienne, pour son combat, et pour dire d'ici l'annulation du code de la famille de l'Algérie. On n'en veut plus de ce code. Le code de la famille, on ne le veut plus. Là, aujourd'hui, on demande nos droits comme toutes les femmes dans l'international. Nous demandons 50-50,
prochaines élections. Voilà ce que nous demandons. Nous demandons la même peine que les hommes. Pourquoi? Pourquoi en Algérie, la femme travaille les 8 heures et elle n'a pas la même paye que celui d'un homme? Pourquoi, messieurs? Pourquoi, mesdames? Voilà ce que je veux dire. Notre combat continuera. Notre révolution du sourire va continuer. On ne va pas s'arrêter. Nous sommes là depuis le 17 février, à Paris, en Algérie, pour des femmes là, pour défendre la femme algérienne et ses droits. Et ses droits, nous sommes là. Le hijab, le niqab, ni islamique, ni militaire. Nous voulons une Algérie laïque, même si je suis hadja. Je m'en fous. Mon islam, il est comme celui qui m'a appris mes parents. Ce n'est ni qatariste, ni wahhabiste, ni turquiste, ni marzaniste. Nous, on est là pour la double rupture, ni islamique, ni militaire. Nous voulons une Algérie debout. Rachid Maïch Lanesh, Rachid à la poubelle, ou le Jazaïr Tibni l'Istiklal, Rachid à la poubelle, ou le Jazaïr Tibni l'Istiklal, ou choukran lakoum. Vive l'Algérie! Vive l'Algérie! Tahia Jazaïr, Hara démocratia. Merci Khadra, et je commence par toi. Merci Hayat, c'est gentil, merci. À toutes les femmes, je vais vous offrir. Normalement, c'est pour Jamila Bouhired. C'est pour les Moudjahidettes ou Chouhadettes d'Al-Jazair. C'est pour la femme algérienne qui a combattu depuis 1954 à 62. Et à ce jour-là, longue vie aux Moudjahidettes. Allah yarham Chouhada. Allah yarham Chahidettes d'Al-Jazair. Allah yarham Chouhada in al-Abrar. Tahia d'Zair. Zahardou d'Zair. Dans ce bouquet, il y a une seule fleur blanche. Ça veut dire Angela Blanche. Merci, merci Hayat. Après ce moment de joie, et c'est vrai, nous voulons une Algérie libre, démocratique et laïque. Voilà, où les femmes, elles prendront toute leur place. Maintenant, je vais passer la parole à Alia. Alia qui va vous parler de ce code de la famille et ses incidences sur les femmes de l'immigration. Parce que quand il y a une loi sur la Jazaïr, il y a un mef'oul dans la Jazaïr et il y a un mef'oul sur les gens qui vivent dans l'immigration. Voilà, Alia. قانون الأسرة العنف والحقرة. Je voudrais vous dire, je voudrais justement parler de l'immigration. Les femmes migrantes, elles sont confrontées à des conditions très restrictives à leur rentrée en France et à leur installation. Ces conditions contraignent grand nombre d'entre elles à survivre dans une situation précaire et de non-droit. L'immigration familiale avait été suspendue en 1974. Elle a été limitée en 1977 et ce n'est qu'en 1978 qu'une décision du Conseil d'État affirme que le droit des étrangers de mener une vie familiale normale est un principe fondamental. Par le regroupement familial, les lois et la politique française définissent la place des femmes dans le seul cadre familial. Et les migrantes se trouvent confrontées à des situations complexes, subissant une double oppression en tant que femmes et en tant qu'étrangères. Il faut savoir que le regroupement familial permet à une personne étrangère vivant en France, en situation régulière, bien sûr, il faut qu'il prouve qu'il a un logement, qu'il a un salaire, etc. Il peut faire venir ses proches, conjoints et enfants mineurs. Dans la majorité des cas, c'est la femme qui rejoint son époux. Mais cette procédure
fragilise la situation des femmes qui se retrouvent sous la dépendance totale du conjoint ou de sa famille, subissant domination patriarcale et violence du système institutionnel. Par exemple, en cas de divorce ou de veuvage dans l'année qui suit le regroupement familial, la carte de résidence peut ne pas être renouvelée à la femme. Si l'époux décide de retourner seul au pays, l'épouse peut voir restituer la carte de séjour. En 1990, comme l'a dit Souad, l'émigration se fait pour des raisons politiques. Les femmes en sont les premières cibles, qui sont les premières cibles des islamistes ainsi que les progressistes, etc. Se sont vus accorder le visa que grâce aux associations féministes françaises. Heureusement, et les dirigeants islamistes, eux, avaient l'asile politique. Ils étaient opposants au pouvoir, par conséquent, ils avaient automatiquement l'asile politique. L'autre facteur déterminant de l'immigration féminine qui est constaté depuis quelques années est le fait de la situation économique de l'Algérie, des conditions d'intégration des femmes qualifiées, ainsi que le refus de leurs conditions de femmes. Cette immigration féminine qualifiée, souvent avec un bagage universitaire ou professionnel non reconnu, accepte jusqu'au déclassement dans le pays hôte. Elle se voit proposer des emplois sous-payés, le plus souvent dans l'entretien ou la restauration. Le choix de migrer pour ces femmes est déjà en soi une contestation de leur statut, de leur place dans le pays natal. Ce que je voulais dire, c'est que le statut d'étrangère sans papier expose les femmes à une grande insécurité, à une grande précarité dans le travail. Il faut savoir que la nationalité algérienne ne se perd pas. La femme, même si elle a la nationalité française, elle reste régie par la nationalité, par le droit du statut personnel de son pays. Et ce n'est qu'en cas de conflit que les femmes se rendent compte qu'elles sont régies par le code de statut personnel. Il faut savoir que même les femmes françaises, celles qui ont, elles gardent la nationalité de leur père ou de leur grand-père. Écoutez, je vais vous lire tout simplement un témoignage. Parce que nous, militantes féministes, nous réclamons un statut autonome pour les femmes qui rentrent en France. Il ne faut pas que son statut soit lié au statut de son conjoint. C'est fondamental. Et je veux terminer par vous lire un témoignage qui va vous expliquer la situation justement de ces femmes. Je suis rentrée en 2008 pour rejoindre mon mari. Je me suis vue délivrer un titre de séjour le 14 octobre 2010 en raison de mon état de santé. Mon histoire avec lui a débuté quand je me suis mariée en 2002, alors que mon mari était à cette époque de nationalité algérienne. Il s'est vu attribuer la nationalité française, pensant que cela faciliterait la situation. Lorsque je suis venue en France en 2008, je suis donc venue avec un visa touristique. C'était par pure ignorance, parce que j'ai su par la suite que je pouvais venir en France en tant que conjoint de Français. Il y a des raisons dues à mon ignorance, mais aussi des raisons dues au fait que j'ai été bernée par mon mari qui n'a jamais voulu m'informer de mes droits et qui n'a jamais voulu que je régularise ma situation. Lorsqu'il venait me visiter en Algérie, il n'avait de cesse de me répéter qu'il faisait les démarches et malgré mon niveau universitaire, je n'avais aucune connaissance de la législation française. Nous avons vécu au Lila pendant la période de juin 2008 à juin 2009. Durant toute notre vie commune, j'ai subi toutes sortes de violences, coups, enfermements, dépendance économique, adultère.
Le choc a été trop dur quand j'ai découvert que mon mari avait été marié depuis 1992 et qu'il était père d'un enfant en 1994. Le comble de l'horreur a été atteint quand j'ai appris qu'il était toujours marié au moment de notre mariage et qu'il n'a divorcé qu'en janvier 2008. Celui que je pensais être l'homme avec qui je voulais fonder une famille a profité de moi en utilisant une législation algérienne, n'est-ce pas, la polygamie, lui permettant de vivre sa situation de polygamie. Le plus grave est qu'il a enfreint la loi française, car il était français et a vu mener une double vie de bigame. J'ai compris à ce moment-là les raisons qui ont poussé mon mari à refuser de m'accompagner. Lui savait, prends la feuille, allez. Lui savait parfaitement que je ne pouvais avoir de titre de séjour car il était en situation de polygame. En ce moment, j'ai contacté ma famille qui a eu la gentillesse de m'héberger. J'ai sombré dans une profonde dépression et je suis à ce jour encore suivie. Le renouvellement de mon titre de séjour a été refusé car d'une part, mon mariage n'est pas reconnu parce qu'il faut savoir qu'en France, la situation de polygame est interdite. Hein? Et ce que je ne conteste pas, bien sûr. Mon mari était bel et bien marié, ce que les autorités françaises ne reconnaissent pas. C'est que je n'étais pas au courant. Jamais je n'aurais accepté d'être une seconde épouse. J'ai découvert cette situation quand j'ai fait mes démarches à la préfecture. Il est vrai que je n'ai pas de talent particulier, mais mon engagement pour la réussite des enfants et les droits des femmes atteste de ma volonté de faire vivre les valeurs républicaines françaises. C'est pourquoi je ne veux demander la régulation qu'en tant qu'épouse. Ma demande, je l'ai faite à titre humanitaire. J'aurais aimé faire cette demande en tant que femme qui réside en France depuis 8 ans. Je travaille et malgré mes diplômes, je n'ai pu trouver qu'un emploi partiel, très précaire, en raison de mon instabilité administrative. Ma vie en France, d'autant plus que rentrer en Algérie aujourd'hui me ferait vivre en paria, car vous connaissez la dure condition des femmes de ce pays. D'autant plus que c'est moi qui ai rompu la vie maritale en raison des violences subies. Ma reconstruction a été possible grâce aux nombreux liens noués en France. La plupart de mes amis résident en France. Je travaille, je participe activement. Et il serait pour moi extrêmement difficile de me détacher de ces relations. Je me bats pour ce statut autonome des femmes émigrées. En attendant, mon avenir est en attente de la décision du tribunal administratif. Je remercie et je vraiment le travail que fait Africa 93 à la Courneuve pour soutenir toutes ces femmes migrantes en quête de leur statut normal. Merci beaucoup. Qanoun al-Asra. Al-unf al-hagra. Qanoun al-Asra. Qanoun al-Asra. Al-unf al-hagra. Qanoun al-Asra. Al-unf al-hagra. Qanoun al-Asra. Al-unf al-hagra. قانون الأسرة العنف والحقرة قانون الأسرة قانون الأسرة العنف والحقرة أنا سمافين سيد سمافين أسف الأول البطريركا يتنجيج qui nous refuse d'être nés. C'est le nom, la performance et des happenings qu'on va mettre devant vous. La révolution respecte les Samoares. La révolution respecte les Samoares. La révolution ainsi participe à les Samoares. La révolution ainsi libère les Samoères. La révolution fait participer la femme.
La révolution libère la femme. La révolution respecte la femme. Mesdames, messieurs, mesdames et messieurs, c'est une prestation artistique, c'est un happening. L'art fait partie de la révolution. C'est un tout en fait, c'est un tout. Il y a là, il y a les artistes. Et pour nous, les artistes relèvent du domaine du sacré. Pour nous, les artistes, c'est sacré, c'est ça notre sacré en fait. Parce que par le biais de l'art, on arrive à exprimer tout haut, librement. On arrive à nous exprimer, on arrive à dire de la meilleure manière qui soit, on arrive à dire ce qu'on a sur le cœur. Mesdames et messieurs, c'est une prestation artistique, une prestation artistique exécutée par nos militants et sympathisants, une prestation artistique par le biais de laquelle nous allons vous inviter, mesdames et messieurs, à peindre. Nous invitons particulièrement les femmes à venir peindre le corps des hommes comme signe de rejet du patriarcat. Non au patriarcat. Nous avons la chance d'avoir été éduqués. Nous avons la chance d'avoir été éduqués dans cette éducation-là, mesdames et messieurs. Nous avons été éduqués dans le respect. Un homme et une femme. Elle est où la différence, mesdames et messieurs? Quelle est cette logique qui fait qu'un homme se sent supérieur à une femme? Je n'ai pas été éduqué dans cette logique, mesdames et messieurs. Nous ne reconnaissons pas cette logique. Nous la combattrons. Nous combattrons cette logique qui fait que les femmes soient réduites à des sous-citoyennes. Nous combattrons cette logique, mesdames et messieurs. Combattez-la. Et s'il y a un salut, le salut pour cette humanité, c'est l'égalité entre les sexes. Dans certaines contrées du monde, des hommes et des femmes ont atteint les cieux. Et dans d'autres contrées du monde, la femme est réduite à une sous-citoyenne pour faire le ménage et représenter un souffre-douleur du mal dominant. Non au sexisme, mesdames et messieurs. Non à la misogynie. Non à l'obscurantisme. L'égalité, il est temps. Nous sommes au 21e siècle, mesdames et messieurs. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle, et si la science a pu avancer, parce que à un moment donné de l'histoire de l'humanité, des femmes et des hommes ont tranché pour l'égalité. C'est pour ça que nous revendiquons un état de droit, un état laïque en Algérie, car seule la laïcité est garante de la justice, de l'équité, de l'égalité.
participons de ces morales. La révolution, on se libère de ces morales. La révolution, on se libère de ces morales. La révolution, la révolution, respecte la femme. La révolution, la révolution, libère la femme. La révolution, respecte la femme. La révolution, la révolution, ainsi pour vous reconnaître sa mère. La révolution, la révolution, ainsi libère notre mère. Mesdames, Messieurs, donc ils vont notre prestation artistique continue sur la place de la République et toute la, la symbolique à laquelle on voit le mot République. Quand on parle de République, on parle d'égalité, on parle de justice, on parle d'équité, on parle de citoyenneté, on parle de civisme. Et on parle aussi de lutte pour avoir tous ces droits et tous ces principes dont je viens de citer. Il faut lutter. Quand ça ne marche pas, c'est nous, notre destin est entre nos mains, mesdames et messieurs. C'est
l'agora du mouvement Double Rupture a été dédiée aujourd'hui aux femmes. Il n'y a pas de femmes pour l'instant là parce qu'elles sont allées en procession. Et comme je disais tout à l'heure, nous avons eu la chance d'être éduqués par nos familles dans le respect. Le respect de la condition humaine en général. Le respect de nos femmes. Nous ne reconnaissons pas le code de la famille. Nous, au sein de notre famille, demain, s'il y a héritage, c'est du 50-50. Je ne vois pas pourquoi je vais léguer mon héritage. Je vais léguer les trois cinquièmes de mon héritage à mon fils et léguer le petit bout qui reste à ma fille. C'est une aberration. Nous nous battons pour ça, mesdames et messieurs. Nous ne reconnaissons pas ça. Nous ne l'appliquons pas chez nous. Nous n'appliquons pas ce principe. Au sein de nos familles, au sein des familles de ces membres-là, les membres de la double rupture, ils ne reconnaissent pas le code de la famille algérienne. Nous ne le reconnaissons pas. C'est un code qui s'inspire de la religion. Nous sommes au 21e siècle. Nous n'avons pas de problème avec les croyants, mais nous avons un problème avec ceux qui instrumentalisent la religion pour des fins politiques. Nous nous sommes toujours battus contre cette aberration, parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Nous battons, mesdames et messieurs, nous battrons pour l'instauration d'un régime laïque. Allah ikiya mahij kofr. Ce n'est pas un blasphème. Dites aux jeunes, diffusez autour de vous, expliquez, dites-leur que la laïcité n'est pas un blasphème. Expliquez, parce qu'on les a leurrés, on leur a menti. On a menti à nos jeunes, on leur a menti à l'école. On leur a menti en leur disant que la Ekiya kofre. La laïcité est un blasphème. On leur a menti. Expliquez-leur. On leur a menti par le bon vouloir et la bienveillance du pouvoir en Algérie. On a menti aux jeunes. Et aujourd'hui, tout à l'heure, avant même de commencer, nous étions en train d'installer nos banderoles dans laquelle nous assumons le slogan qui y est porté. Nous l'assumons, nous savons ce qui en est. Quand on dit ni militaire, ni islamiste, ça veut dire que nous sommes contre toute forme de dictature, qu'elle soit de l'ordre de l'humain ou du divin. C'est-à-dire ceux qui instrumentalisent justement, qui instrumentalisent cette logique, illogique du reste. Mesdames et messieurs, le salut de notre pays viendra lorsqu'il y aura des lois égalitaires. Le salut du pays, tant qu'une femme ne peut pas circuler à Alger, la capitale, à la tombée de la nuit, c'est que les choses vont très mal, mesdames et messieurs. Je défie quiconque me contredira, je le défie. Je défie quiconque me contredira, je le défie. Et je le mets à l'épreuve, s'il faut. On va aller à Alger, on va aller à Alger Centre. Pourquoi je cite Alger? Parce que Alger, c'est la capitale du pays. Elle est à 1h30 à vol d'oiseau d'ici. Je défie quiconque d'entre vous, allez-y, laissez vos femmes sortir à la tombée de la nuit, à Alger Centre, Place Audin, ou boulevard 5, ou rue des Douches, ou Nabawin Habou. Allez-y, donnez, ou plutôt, demandez à vos filles, à vos femmes, à vos sœurs, à vos voisines, à vos copines, demandez-leur de sortir à la tombée de la nuit et vous entendrez la réponse. Une réponse oh combien délicate et difficile. Elles ne sortiront jamais parce qu'elles savent qu'elles vont mettre leur vie en péril. Le jour où il n'y aura plus ça, ce jour-là on dira qu'on a avancé et qu'on avancera. Le jour où des femmes pourront circuler la nuit, je ne donne que cet élément. Hein. Je veux pas aller encore plus loin. Je ne parle pas du travail, je ne parle pas du harcèlement au travail, je ne parle pas d'un tas d'injustices, je parle juste de ça. La liberté de circuler, qui est un droit fondamental. Allez-y mesdames, je vous défie, je vous mets au défi, allez-y à Alger, Alger Centre, et sortez à la tombée de la nuit, et vous verrez. Et même quand vous allez déposer plainte, vous allez encore entendre des choses qui vont vous faire très très mal. Nous avons des membres de nos familles
qui ont été déposées plaintes pour agression, harcèlement, viol. Ben, la première question de la police républicaine, c'était qu'est-ce que vous faisiez dehors à 19h? Pourquoi votre jupe est plus courte que la norme? Pourquoi votre jean est plus serré qu'est-ce que vous faites dehors? Voilà, mesdames et messieurs, voilà notre combat. La révolution aussi impose une révolution des esprits. Les gens ont été, nos jeunes ont été endoctrinés, induits en erreur. On leur a donné de fausses informations. Actuellement, là, tout à l'heure, en accrochant notre banderole, nous avions été agressés physiquement. Après, on assume, hein. On n'est pas aussi facile que ça. Nous savons d'où vient le mal. Et nous sommes dans un pays de loi. Et nous allons nous référer à la loi. Mesdames et messieurs, nos amis de la procession reviennent. Ils sont là. Des hommes ont été peints par des femmes. Chacune a laissé libre cours à son génie, à son imagination, à sa colère. Mesdames et messieurs, battez-vous pour votre identité, tout court. Battez-vous pour votre liberté. Nul n'a le droit d'interférer dans votre manière d'être du moment que vous n'avez appelé à aucun moment à la violence. Vous êtes libre, mesdames et messieurs. Vous êtes libre. Les femmes, ce sont l'avenir. Elles sont l'avenir. L'avenir de l'humanité, pas que d'une seule entité géographique. Si on n'est pas conscient de ce paramètre, de ce paradigme, de cette logique, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe très mal dans nos têtes. Le sexisme n'a pas lieu d'être. Honte à ceux qui font de la ségrégation. Honte à eux. Honte. Et chouma. Et chouma, il est temps. Il est temps que les choses change. Vous voyez, personne ne peut vous leurrer. Ni au nom d'une entité terrestre, ni au nom d'une entité divine. Il y a des lois dans ce monde, sur cette terre. Il y a des valeurs universelles. L'humanité progresse. Et nous faisons partie de cette humanité qui doit progresser, qui doit avancer aussi. Mettons fin. Fin à l'injustice contre les femmes. Mesdames, messieurs, j'interpelle les deux. Les femmes ressentent qui des frustrations, qui de l'injustice, qui de la hagara, qui de la colère, qui du changement ou de la volonté de changement. Les médias nous montrent des gens libres, mais nos femmes au pays ne font que les voir à la télé. C'est-à-dire, elles rêvent, en attendant la levée du jour, pour sortir affronter l'innommable, pour sortir affronter la misogynie et le sexisme dans la rue. Au premier pas en dehors de chez elle. Vous pensez que c'est normal? C'est pas normal, mesdames et messieurs. Il est temps que les choses changent. Il est temps. Et si je parle au nom des femmes, c'est parce que moi aussi, j'ai des sœurs. J'ai des voisines. J'ai des cousines. J'ai des compatriotes. J'ai des amis à travers le monde entier. Et j'ai vécu. Et j'ai assisté à des scènes de violence inouïe contre les femmes. Et quand je suis allé me plaindre, on a rigolé. Les services censés enregistrer la plainte ont rigolé. Ils m'ont dit, en quoi ça peut te regarder toi?
elle n'est pas venue, elle-même ne s'est pas déplacée ici, et vous faites quoi ici? Pourquoi vous êtes venu nous casser, nous déranger? Mesdames, messieurs, les choses doivent changer. Personne n'a le droit d'interférer dans votre manière d'être. Et le combat continue. Thank you.
La femme, la révolution fait participer la femme, la révolution libère la femme. Donc, mesdames et messieurs, c'était une prestation artistique, un rappeling improvisé par notre artiste du mouvement Double Rupture, Nasser Yanat. Mesdames et messieurs, merci. C'est comme ça, à la prochaine prestation. À chaque fois, on fait un truc comme ça. Le débat va continuer avec Khadra et l'Alia. Donc, j'appelle l'Alia ou Khadra à prendre le micro. Écoutez, maintenant, nous aimerions ouvrir un débat pour toutes celles qui voudraient prendre tête, celui ou celle qui voudrait prendre la parole. Voilà, monsieur Agoun, à vous. Je peux parler? Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier vivement de m'avoir donné la parole. Et comme d'habitude, vous êtes très généreux, vous êtes très ouverts. Je suis doublement content parce que votre discours d'aujourd'hui est ouvert sur l'universalité. Ça me fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Par ailleurs, je vais essayer de faire un peu de politique et d'être un petit peu objectif, même dans le domaine de la recherche. En fait, moi j'ai un gros problème avec un mot en arabe qui s'appelle « l'khola ». Une femme en Algérie qui souhaite divorcer pour avoir sa liberté parce que « khlas ma lhabbekch », j'ai envie de quitter, j'ai envie de te quitter, tu dois adopter, tu dois acheter ta liberté par ce mot en arabe qui s'appelle « l'khola ». C'est pas de l'arabe algérien « l'khola ». Moi je ne l'ai pas trouvé, j'aimerais bien si un jour vous pouvez me l'expliquer. D'où vient ce mot « khola » en arabe classique? Je n'arrive pas à le trouver, je suis démunu, donc je me questionne. D'où vient-il ce mot « khola » Ça veut dire, si tu veux divorcer, je te donne le droit de divorcer, mais tu payes tout au mec et tu quittes la maison. Moi, je suis contre le « khola ». Même l'idée de divorce, il faut... Le droit au divorce, il faut le complètement changer. Deuxième élément que je veux vous dire, Al-Khawa, depuis 2005 en Algérie, n'oubliez pas, c'est un pays très composite, pas complexe, mais c'est un pays composite. Depuis 2005, les femmes célibataires, les mères, je dis bien, les mères célibataires en Algérie ont le droit de donner le nom de leur famille à leur bébé, à leurs enfants. Par contre, c'est le seul droit, on vous lâche dans la nature. Si vous êtes seul, vous n'avez aucun droit social ou un autre droit. C'est-à-dire on va vous laisser, vous avez le droit d'avoir un livret de famille comme femme, comme mère célibataire, mais vous n'avez aucun accompagnement social derrière. Je trouve que c'est une question intéressante à creuser. Troisième point que je voudrais soulever avec vous, c'est qu'il s'avère que j'ai travaillé un petit peu sur le harak en Algérie depuis les 5 premiers mois. Et il y avait l'apparition de ce carré de femmes en Algérie, à Béjaïa, à Tizi Ouzou, un peu partout. Il n'est pas avant les premières marches jusqu'au 9 mai, c'était tout le monde est mélangé. Soudainement, il y a cette idée de carré qui a fait éruption. D'accord? C'est pas par hasard. Il a fait éruption parce qu'il y avait des problèmes de violence envers les femmes. Et à Béjaïa, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y avait des carrés, mais après, il y avait un autre phénomène. Vous les femmes, mais vous êtes magnifiques.
vous êtes d'une intelligence exemplaire. Ils ont créé un nouveau concept, alors, qui vient d'anglais, ça s'appelle Bouya. Bouya, ça vient de mot anglais boys. En fait, on trouve des femmes dans le Hira qui s'habillent en garçon, pas maquillées, ils mettent des t-shirts pour se protéger justement de cette violence des mecs, d'accord, dans les manifs. Ça vient, qui toi? Moi, je suis Bouya. En fait, c'est la ruse du dominé. Donc, les femmes algériennes, ils sont traîtres, ils ne voulaient pas lâcher le terrain. Ils reviennent sur le terrain, mais avec un aspect vestimentaire. Ça vient pas du néant. Je porte à votre connaissance, il y a eu un très beau livre sur 61 à Paris. Octobre 61 à Paris, quand les Algériens, ils ont quitté les bidonvilles pour venir à la scène manifester, ils étaient tous bien rasés. La majorité, ils étaient en costume. C'était un dimanche pour sortir de manière à passer inaperçu. Par rapport à la police, en fait. Je monte à Paris pour boire un coup, pour discuter, pour voir ma famille, ainsi de suite. C'est la ruse des dominés. Autre chose que je voudrais vous dire. Moi, j'ai une mère, elle est née en 1924, elle est toujours vivante. D'accord? Elle m'a dit ceci. C'est Jayar Saha. C'est-à-dire, la santé nous a lâchés. Une couple de Français. Ils ont fait face à la France. Ils ont fait face, nos femmes, en Kabylie, en 2001. C'était les femmes contre les gendarmes. Ils ont pas, n'importe qui n'a pas le droit de rentrer dans nos maisons. Ils cherchent les jeunes manifestants. C'était des femmes. Quand un gendarme voit une femme comme ça au seuil de la porte, il hésite de rentrer, au fait. Elle a dit, nous avons fait ça en Kabylie. On est sortis pour faire face, en fait. Ils sont tout le temps là. En ce sens, je tiens vraiment à vous remercier. Je suis de tout cœur avec vous, ainsi de suite. Et puis pour finir, à titre personnel, 86, je suis arrivé à Alger. Je ne sais pas, quand tu es allé fort, ni le yaourt, ni la douche, rien du tout. J'étais un enfant de la Zaouia. Je ne parle pas un mot de français. J'arrive à Alger, je rencontre cette dame. La dame Hadi, Ousmane Hassan Haja, j'ai rencontré d'autres femmes. J'avoue, pour faire mes mea culpa, j'ai eu plus de problèmes avec les hommes qui voulaient imposer des choses. Viens le Pax, viens le PST, viens FFS, viens RCD. Ils m'ont appris, je fais mes mea culpa devant toi, je le fais, je me mets tout petit devant toi. Vous m'avez rien imposé. Contrairement aux gens, des militants, des mecs qui m'ont dit venez avec moi. On a fait le haps ensemble. Mais ils étaient tout le temps là. Ils m'ont rien imposé. Ils m'ont appris. En fait, vous m'avez appris à vivre. Et ça, à vivre. Et puis, je vous ajoute autre chose. C'est la première fois dans ma vie à la brasserie en face de la fac centrale que j'étais assis en face d'une femme. Il discute à égalité avec moi. Donc en fait c'était mon initiation et je profite de ta présence pour vous remercier et je vous salue. Merci Ahmed, merci. Maintenant on ouvre un peu l'agora. Surtout pour les femmes, celles qui veulent intervenir. Voilà, sur la thématique des femmes, sur le vécu des femmes en Algérie, et même des hommes, voilà, ceux qui veulent parler, il est bienvenu à prendre la parole. Hayat, allez, elle va nous faire un témoignage sur les souffrances des femmes algériennes. Salam alaikum. Je reprends là où le monsieur s'est arrêté. La femme est plus tolérante. Mais malheureusement, la femme est plus ignorante. L'ignorance est son ennemi. C'est la femme qui excise. C'est la femme qui marie de force. C'est la femme qui empêche sa fille de travailler. C'est la femme qui empêche sa fille de continuer l'école. Elle reproduit ce qu'on lui a fait par ignorance. La femme est atteinte du syndrome de Stockholm.
Je l'ai vu, je l'ai vécu. J'ai vu mes oncles frapper mes tantes, leur déchirer leur manuel scolaire et leur carnet et leur cahier, parce qu'elles réussissaient là où eux, ils échouaient. Soi-disant, reste à la maison, la femme ne sort pas. Et j'ai vu ma grand-mère approuver. Elle a approuvé tout ça. Et heureusement que mes tantes n'ont pas reproduit ce qu'elles ont vécu. Elles se sont battues. Elles se sont battues parce qu'on a eu les années 90. Je remercie ceux qui sont en train de nous mettre des images pour nous rappeler ce qui s'est passé en Algérie dans les années 80 et 90. Parce qu'à un moment, j'étais contente de voir des femmes mener des cortèges. Ça ne m'a pas choquée sur le champ. Mais quand j'ai entendu les slogans « Alayha nahya wa alayha namout », j'ai compris que la femme était utilisée encore une fois. Cette femme était comme un bouclier pour que c'est elle qui reçoit les coups et c'est elle qui reçoit les bombes lacrymogènes dans les années 90. Et c'est la même femme qui a envoyé ses enfants au Djebel. Donc, l'ignorance qui tue la femme. C'est à nous de transmettre et de réveiller toutes ces femmes qui croient en cette société patriarcale. Et qui a fait cette société patriarcale? C'est la femme qui élève. C'est l'homme qui a été élevé et qui a appris à l'oulide qu'elle est plus bien que sa fille. Et qui a mis cette fille dans sa tête. L'homme qui a été élevé sans qu'elle ne soit pas élevée. Nous sommes باش نصحوا ونوعوا هاد النساء اللي ما على بالهمش واش هم يديروا. وكاين حاجه عندي بزاف انا حابه نتكلم عليها. واش قال خونا؟ صح المراه عندها خصلات الراجل ما عندهمش. في الجزائر كاين جنرالات نساء، كاين يا دي فام سولدا، يا دي فام بوليسيير، يا دي فام ميليتير اي جندارم. اون بارل جامي دال. واحد ما يقدر يعطيني اسم جنرالة جزائرية وكينة على بالي كينة دخلت في الفساد؟ ما كاش. المرأة هذه باش نحييها اليوم اللي راهي تحرص على الحدود تاعنا وواحد ما يتكلم عليها. Pour cette femme soldat qui veille à nos frontières, pour cette femme policière qui veille à notre sécurité, la sécurité de nos familles à l'intérieur, on n'en parle jamais. Il faut en parler. والفساد راه عند الراجل اكثر من المراه. المراه اليوم في الجزائر لازم تتحرر، والمراه هي اللي تحررها. والحمد لله رانا بزاف فينا وعيات، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا لواش رانا حابين، وتوصل هاد البلاد لدوله مدنيه لا اسلامويه ولا عسكريه. السلام عليكم. Merci Hayat. Là, je donne la parole à Senhaja, une militante féministe et militante de ACDA. Voilà. Je voulais pas intervenir parce que mes amis sont intervenus, mais je réagis. C'est ça l'intérêt d'avoir des espaces comme ça, c'est qu'on en débat. L'on débat, c'est important. Donc quand j'entends que les femmes, c'est elles qui oppriment les femmes, moi ça me gêne. Parce que les femmes n'ont pas le pouvoir réel. N'ont pas le pouvoir politique. Elles sont à la solde de quelque chose. Il y a des ethnologues, il y a beaucoup qui ont travaillé, qui ont parlé de les femmes, c'est elles les gardiennes des traditions. Mais en même temps, ils ont rajouté le vrai pouvoir, le jour où vraiment on veut que ça change, il faut qu'il y ait une vraie égalité. Inscrite. Noir sur blanc, égalité homme-femme. Moi, j'aime bien les hommes qui disent « On vous aime les femmes, vous êtes sympathiques. » C'est très gentil. Venez vous battre pour qu'il y ait une égalité réelle. Et il ne peut pas y avoir de démocratie sans les droits des femmes. Et il ne peut pas y avoir des droits des femmes dans un pays où il n'y a pas la démocratie. Et excusez-moi, donc je ne vais pas m'étaler parce que j'ai l'habitude de parler beaucoup. Mais là, c'est important. C'est important, et je conclue aussi, pourquoi c'est important que ça change, pas seulement aussi dans les écrits, mais aussi dans les mentalités. Dans les mentalités,
Il y a les islamistes, oui, ils veulent, ils écrivent noir sur blanc l'inégalité. Mais à la majorité de la société, c'est dans leur tête le conservatisme. Ils sont libéraux, quand on parle de hukouk comme ça, ils veulent gars kif. Eh bien, la démocratie, c'est aussi une pratique au quotidien. La démocratie, c'est aussi... بنتك تروح تقرا ولا مرتك تخرج ما تقولهاش ديرلهاش الكفر في على الربعه دير فيها ثقه تدخل كيما تحب على انت تخرج كيما تحب ومرتك ولا بنتك هذه اللي نهضر على صحابي تاع الكون تاعي سي تاتيغ لي ديموكرات انايا عندي بنتي نربيها باش تروح تناضل باش تدخل في الاحزاب ماشي غير خوها يروح يدخل في الاحزاب ويهضر بحقوق النساء وخطو وبنتو قافل عليهم في الديار إيبا لا ديموكراسي سي اون براتيك او كوتيديان سي اوسي دو ديموندي افو سور افو فام دو لي زيدي ا سو بوليتيزي اي سي سولمون كوم سا كون فا افوار ان فري رابور دو فورس اي سي سولمون كوم سا كون فا افوار لابروغاسيون دو كود دو لا فامي سا فا اتر ان شومان تري لون سا فا اتر ان شومان تري لون Parce que les femmes se battent contre le pouvoir, se battent contre les islamistes, mais se battent contre les démocrates conservateurs qui sont très nombreux. Alors, montrez-nous que vous êtes pour l'abrogation du code de la famille. Mobilisez-vous. Demain, il y a une marche des femmes en Algérie. Appelez vos réseaux pour qu'ils aillent soutenir les femmes à la place Odin pour qu'elles ne se fassent pas agresser par la police qui, aujourd'hui, torture au nom de la démocratie. Merci, Smadja. Allez, alors le tour c'est à. Samira, c'est des citoyennes algériennes. Hela qui se présente aussi depuis le lancement du mouvement populaire en Algérie. Voilà. Merci. Bonjour à vous tous. C'est difficile de passer après son radio parce que je n'ai pas sa voix. Moi, j'ai une toute petite voix. Je vais pas faire un grand discours parce que je pense que l'essentiel a été dit. Juste une petite précision. La dame qui a dit que les femmes, c'est les femmes qui oppriment les femmes. Oui, malheureusement, oui. Si on s'arrête juste à la première vue, effectivement, souvent c'est les femmes qui oppriment les femmes. Sauf que les femmes. Ces femmes-là qui oppriment les femmes sont elles-mêmes victimes du patriarcat. Voilà, elles sont façonnées comme ça, elles sont formatées comme ça, on leur a inculqué dans la tête que la femme, elle doit être soumise tout simplement. Donc malgré elles, c'est plus fort qu'elles, c'est psychologique, parce que souvent on reproduit ce qu'on a vécu, elles reproduisent le schéma du patriarcat. Pas trop de discours en ce qui me concerne. Je voudrais juste réaliser avec vous une performance artistique. Je voudrais qu'elle soit collective, participative, comme devrait être la démocratie. Donc je compte sur vous. Vous aimez tous Aït Menguellet. En tout cas, vous connaissez tous Aït Menguellet. Vous connaissez tous le Kuniswarashin Zayer. D'accord, je compte sur vous, s'il vous plaît, surtout pour le refrain. J'ai une toute petite voix, puis avec les allergies, j'ai un petit souffle. On y va. Le Kuniswarashin Zayer, Oriez Gidiwan. Le Kuniswarashin Zayer. Oh yes, Gidiwan, je vous entends pas. Ne connaissez pas Rache le Zayen. Oh yes, Gidiwan, je vous entends toujours pas. Vous êtes là? Ne connaissez pas Rache le Zayen. Oh yes, Gidiwan. Ne connaissez pas Rache le Zayen. Oh yes, Gidiwan, les filles. Ne connaissez pas Rache le Zayen. Oh yes, Gidiwan. Ne connaissez Lash le tayen, oh yes, get you one. Meet Karat Rohan Vrat, the Nerd Vrat, Hulun Vrat, Amar Narwat, the Maish, Oxer, the Sound. Je vous entends pas?
Je vous entends pas, j'entends que ma voix. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux être loul, tu veux être amarna, tu veux être maïche, tu veux être douce. On a dit que le rebaille d'agir. Le rebaille ma oulage. D'accord, ben je vous entends pas. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux être loul, tu veux être amarna, tu veux être maïche, tu veux être douce. On a dit que tu veux être maïche. المساوات والحريات لازم تكون شعارنا في المسيرات الحريات والمساوات لازم تكون شعارنا في المسيرات العدالة اجتماعية والعدالة المستقلة بركونا الزعامة وعقليات تقديس الشخصيات وعقليات تقديس الشخصيات غوكومانسي المساواة والحريات لازم تكون شعارنا في المسيرات العدالة اجتماعية والعدالة المستقلة ركونا من الزعامة وعقليات تقديس الشخصيات وعقليات تقديس الشخصيات نكنس وراش للتاير وغياس قديوان نكتس تلاس للتاير وغياس قديوان ميثكات روح نبغات دنرت بغات خلون بغات عمر مروات معيشت مروات معيشت مروات معيش ما فيني الحرية للصحافة والحرية للنقابة الحرية للصحافة والحرية للنقابة الفصل بين السلطات إلغاء قانون الأسرة الفصل بين الدين والسياسة الفصل بين الدين والسياسة الحرية للصحافة والحرية للنقابة الفصل بين السلطات الفصل بين السلطات الفصل بين السلطات إلغاء قانون الأسرة إلغاء قانون الأسرة جو سونتوبا إلغاء قانون الأسرة إلغاء قانون الأسرة جو سونتوبا ونتبا داكور إلغاء قانون الأسرة إلغاء قانون الأسرة الفصل بين الدين والسياسة الفصل بين الدين والسياسة الفصل بين الدين والسياسة الفصل بين الدين والسياسة نكنس وراش للتاير وغياس قديوان نكنس وراش للتاير وغياس قديوان نكتس اللاس للتاير وغياس قديوان ميثكات روح بغات دنرت بغات خلون بغات عمر مروات معيش وكسر دوسة والمروات معيش وكسر دوسة والمروات معيش وكسر دوسة ميرسي مي هو نافي با بوكو بارتيسيبي اي شي ان بو ديسو ميرسي 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 يا سميرة سي فريمون اون شانسون qui parle de la situation actuelle, la situation politique en Algérie. Elle a tout résumé, voilà, la liberté de la presse, la séparation du religieux et du politique, la séparation des pouvoirs. Vraiment, c'est vraiment un... ce qu'il faut faire aujourd'hui en Algérie et la situation en Algérie. Maintenant, je donne la parole à une jeune fille qui voudrait vous parler un peu du code de la famille. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais parler du coup de cette fameuse révolution du sourire,
Donc pour moi, je trouve qu'on ne s'attarde pas assez sur le combat des femmes et sur la situation des femmes en Algérie. Donc le problème, c'est déjà d'une part le code de la famille, mais aussi les féminicides et tout ce qui s'ensuit. La femme algérienne n'a pas de place. Elle n'a pas le droit à la parole, elle est sans cesse tue, elle est sans cesse maltraitée, sans cesse frappée. Donc pour moi, il faudrait d'abord que chacun d'entre vous soit au courant donc, des maltraitances que cause le code de la famille. Donc donc je trouve qu'on ne parle pas assez du code de la famille et de ce qu'il engendre. Et il faudrait pas juste diminuer les lois qu'il y a à l'intérieur, mais totalement l'abroger. Parce que justement, il a beaucoup de lois rétrogrades envers les femmes. Et par exemple, le fait qu'une femme, pour divorcer, elle doit acheter justement sa liberté, elle doit payer pour sa liberté, et ça c'est très grave. Donc voilà, j'aimerais dire que le problème principal, c'est la chaléra. Donc c'est le fait que le code de la famille est régi par la chaléra, que les lois en question viennent de la chaléra. Et pour moi, la seule solution, c'est la séparation de l'État avec la religion. Donc voilà, je pense que il faudrait une totale séparation entre l'État et la religion. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des questions. Personne n'a des questions? Merci, oui. La jeune fille, elle voulait parler du code de la famille, Hanoun Osra. اللي نعتبروه شويه متناقض مع الدستور تاعنا باسكو في لا كونستيتيوسيون تاع الجزائر القانون يحمي لي دووا تاع لي فام ويقول بلي كاين ليغاليتي اونتر لي فام اي لي زوم في الحقوق بصح في دون لا رياليتي les femmes, elles sont considérées, même dans le canon, il y a une contradiction dans la vie et une contradiction avec le code de la famille. C'est pour ça qu'il faudrait que les choses, soient claires par rapport à ça. Il ne faut pas qu'il y ait une contradiction. Mais bien la constitution ou le code de la famille. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, le code de la famille, les femmes, elles sont considérées comme des citoyennes de la zone 2, c'est-à-dire elles sont mineures. Dans le dostour, ils disent que les droits de la femme sont kif-kif. Sauf que في قانون الأسرة يقولوا la femme elle est réduite à être un être mineur à vie. Par exemple, je vous donne un exemple. Les femmes تاوعنا في الجزائر, par exemple, même تكون majeure et tout, qui تجي راح تتزوج, par exemple, pendant le mariage, لازم لها ولي. لا ما كانش باباها, لازم يكون خوها. لا ما كانش خوها, لازم يكون عندها عمها ولا خالها ولا واحد من لا فامي اللي يكون يشهد عليها. alors que دستور لا كونستيتيوسيون elle la considère comme citoyenne à part entière. C'est pour ça que aujourd'hui et depuis 84 les femmes elles mènent le combat sur le combat pour ce code de la famille. Et les combats hadou, depuis 84, les associations féminines, mais elles ont toisselé. Il y a un combat qui se fait ici, à l'étranger et en Algérie.
Et qui me aujourd'hui, Dieu merci, parce que les associations Hedo, elles se mobilisent et elles se confirment encore plus pour le combat contre le code de la famille ou le code de la famille. Et on a remarqué aussi, les féministes ou les jeunes femmes, elles se sont démarquées. Elle se démarque par la lutte hadith contre le code de la famille. Même les canuts nidalettes me rappellent par les associations féminines. Et je voudrais vous dire que le mouvement populaire hadith, le mouvement, il a été protégé. Il a été porté. Il a été porté par les femmes. C'est les femmes qui ont été le cordon de sécurité contre les violences. C'est les femmes qui ont permis aussi qu'il n'y ait pas de dérapage. Parce que je m'en rappelle les le hukm d'ana en face des jeunes qui aiment le qama. Il y a eu des combats où on a vu que les jeunes tawana, ils se font arrêter, même s'il y a eu des détenus. Les années 80, le printemps berbère, ce qui s'est passé aussi en 2001 en Kabylie, ça veut dire que le hukm ta'na toujours, yarad bl'ant. Ouais, la chose aujourd'hui qui a protégé le hirak, c'est les femmes, c'est la présence des femmes et des enfants qui constitue une ceinture de sécurité. Et c'est aussi une garantie de sécurité. Je parle de ça, c'est pour vous dire quelle est l'importance de la présence des femmes aujourd'hui sur le masirat tana. Aujourd'hui aussi, je voudrais vous parler aussi de la présence des femmes. Les femmes, elles sont très présentes. Et elles sont mélangées. Il y a un mélange. Dans le masirat tawana, il y a des femmes qui viennent des couches, des couches sociales différentes. Il y a les qariens, les machiqariens, les cadres, les militantes, toutes les femmes sont dans la rue et toutes ces femmes, elles portent la révolution du sourire, la révolution pacifique du peuple algérien. Sauf qu'il y a eu un moment donné, il y a eu des agressions. Quand je fais mars 2019, beaucoup de femmes ont été agressées. Et les hommes, ils leur disaient, vous n'avez rien à faire ici, c'est des diables. La révolution ou l'hirak, mais c'est qadiyat. Sauf que les femmes hadou, elles se sont imposées. Et elles sont restées dans la rue malgré les agressions. Il y a eu aussi, pendant le début d'Al-Hirak, un appel carrément à jeter de l'acide sur les femmes. Et surtout les féministes. Sauf que les femmes, elles ont été courageuses et elles ont résisté. Et aujourd'hui la résistance Hadi ou la mobilisation Fichel Al-Jazaïri, c'est-à-dire c'est avec le temps, les hommes tawana ou la rue Al-Jazaïr, elle défend. Parce que c'est bien, parce que quand il y a beaucoup de il avait besoin de temps. Qui m'a la question des femmes au début, mais maintenant il y a une acceptation. Les hommes en Algérie ou la rue
En Algérie, elle défend aujourd'hui la présence des femmes dans les manifs et dans la rue. Et ça, c'est un acquis. Aujourd'hui aussi, il y a des rencontres intergénérationnelles. Parce que le combat des femmes, c'est un combat qui est venu, qui est présent depuis l'indépendance de l'Algérie et même avant. Et même avant, et aujourd'hui, il y a quand même Hajat Shted. Il y a eu des acquis. La nouvelle génération, il y a les Bnet, l'Israël et tout. Aujourd'hui, le code de la famille. Et qui me connaît et le militantisme, mais il continue. Et aujourd'hui, les jeunes, les jeunes filles, les jeunes femmes, elles se battent aussi. Sur Kikunahnaya, on ne parlait pas, il y avait beaucoup d'injustices, hein. Fait le code du travail, fait la violence, les féminicides. Ça, c'est des questions qui n'étaient pas traitées. Mais aujourd'hui, les jeunes filles algériennes, elles mènent le combat. Elles continuent le combat sur le code de la famille et elles mènent le combat contre le code du travail, contre les violences faites aux femmes et le féminicide. Je voudrais aussi parler du féminicide parce qu'aujourd'hui, c'est devenu, c'est terrible. Les assassinats de femmes, elles se multiplient. Et quel que soit l'âge, de 15 ans à 99 ans, il n'y a pas de différence chez des femmes intellectuelles, chez des jeunes filles. Ça veut dire que des Tahira, Lyon-Moulet, elle est alarmante en Algérie. Et ces jeunes filles, aujourd'hui, elles s'organisent pour combattre Haïd Dahera. De toute façon, je voudrais juste dire que le combat, il y continue. Et tant mieux que les combats des anciennes n'ont pas été perdus, mais au contraire, il a été pris en charge par la jeunesse. Et encore, il y a d'autres problématiques sur lesquelles les femmes, elles ont réagi. Ce qui est un peu aussi dommage, c'est le manque. Hein. Ça veut dire que il y a tellement de violence, il y a tellement de la violence conjugale, de la violence dans la famille, mais les moyens mis à disposition de ces associations, de ces femmes qui militent, restent très insuffisantes. Nous, en Algérie, par exemple, les foyers qui peuvent héberger les femmes qui sont victimes de violences. Souvent, les femmes qui sont victimes de violences, les familles tahom ou la fille d'arhom ou là, souvent, des fois, elles se retrouvent dans la rue parce que le pouvoir tana, qui m'a fait le qadaï al-khrem, n'est pas capable de chiwoufan de l'hébergement pour ces femmes-là. Et ces femmes-là, elles sont par la suite. Elles reviennent dans leur famille. Et après aussi, c'est terrible, parce que même la famille, si les femmes, elles sont victimes de violences, on leur miroite un côté comme quoi c'est elles les victimes. C'est elles les victimes. Et il faudrait les femmes à la djelha, les femmes khoha, les femmes babaha, ou il faudrait tsbar. Tout ça parce que les femmes tawana, malgré les khidmots, mais dans des situations qui m'aident, il n'y a pas de moyens. Quand la famille rejette, je ne dis pas que toutes les familles, mais dans la majorité des familles, il y a un rejet des femmes qui vivent dans la violence. Et ces femmes, elles se retrouvent par la suite, souvent dans la rue et souvent exploitées. Voilà, je voulais vous parler un peu, et c'est beaucoup plus sur la situation de la femme et surtout de la présence aujourd'hui des femmes dans le mouvement populaire algérien. Merci. جزائريات حلال ما يقبل
بلوش العال يواصلوا المشوار حتى الانتصار جزائرية حلال ما يقبلوش العال يواصلوا المشوار حتى الانتصار عالديمقراطية الحقوق النسوية عالديمقراطية الحقوق الجنسية يا فاطمة أفاطمة أفاطمة نسومال أفاطمة 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 نسومال أفاطمة 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 نسومال أفاطمة 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 نسومال عالديمقراطية الحقوق النسوية عالديمقراطية الحقوق النسوية النساء أحلال ما يقبلوش العال يواصلوا المشوار حتى الانتصار عالديمقراطية الحقوق الشعبية عالديمقراطية الحقوق النسوية مازلنا 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 ثوار مازلنا 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 ثوار مازلنا 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 ثوار عالديمقراطية الحقوق النسوية عالديمقراطية الحقوق النسوية جزائرية حلال ما يقبلوش العار يواصلوا المشوار حتى الانتصار جزائرية حرام ما يقبلوش العال يواصلوا المشوار حتى الانتصار عالديمقراطية الحقوق النسوية عالديمقراطية الحقوق النسوية جزائريين حرام ما يقبلوش العال يواصلوا المشوار حتى الانتصار جزائريين حلال ما يقبلوش العار يواصلوا المشوار حتى الانتصار عالديمقراطية الحقوق الشعبية عالديمقراطية الحقوق الشعبية Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, Messieurs, Mesdames. Donc, juste un rappel. J'interviens juste pour donner un coup de main à nos amis, à ces femmes qui s'assument. Elles s'assument, à ces femmes qui s'assument, parce que elles n'ont pas peur. Pourquoi avoir peur ? Mesdames, de quoi avez-vous peur ? Peut-être ? Dans une société conservatrice, je vous comprends. Parce qu'il y a une majorité masculine, conservatrice, obsolète. C'est-à-dire dont le conservatisme dépasse toute forme d'entendement. Il y a... Mais là où on est, en France, qu'est-ce qui vous empêche, mesdames, de vous exprimer pleinement ? Comme nous le faisons, nous autres, qu'est-ce qui vous empêche de crier haut et fort et faire pression pour que les choses changent ? Ne vous dites jamais, ne dites jamais qu'il n'y a pas de changement. C'est un changement qui va tout doucement, mais sûrement. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes plus à l'époque où la communication est difficile. Nous ne sommes plus dans une époque où il est impossible de transmettre son message sans passer par ces canaux traditionnels, à savoir le bouche à oreille ou bien les rares espaces d'expression publique. Mais là, nous avons les réseaux sociaux, mesdames. Nous avons les réseaux sociaux. Nous avons un tas de moyens de communication, télécommunication. C'est pour ça qu'on dit que le monde est devenu un village, et c'est la réalité. Donc il faudrait en profiter. Organisez-vous, constituez-vous en groupe, en association, en organisation.
et allez-y de l'avant. Il n'y a personne qui peut vous donner, vous accorder vos droits si vous, vous ne vous battez pas, mesdames. Si vous ne vous battez pas, personne ne vous accordera, ne vous accordera et ne vous donnera et ne vous permettra d'avoir accès à vos droits, mesdames. Défendez-vous. Défendez-vous. N'ayez pas peur. Nous ne sommes pas ailleurs. Nous sommes en France, mesdames. Commencez déjà par envoyer des signes forts à nos compatriotes femmes au pays. Donnez-leur de l'espoir. Montrez-leur que vous pensez à elles avec votre engagement sur le terrain. Et croyez-moi, ça donne de très bons résultats. Nous l'avons vérifié. Nous l'avons vérifié à maintes reprises. Donnez-leur cet espoir. Montrez-leur que vous êtes en train de vous battre sur le terrain, mesdames. Excusez-moi de vous avoir dit tout cela. Ce n'est ni du paternalisme, parce que je suis un farouche combattant du patriarcat. Juste comme petite... une petite histoire là de deux petites minutes qui me concernent. Ça c'est pour vous faire part de ma bonne volonté. Je suis en direct sur deux canaux de communication qui diffusent aussi en Algérie. Donc j'assume ce que je dis. Je sais ce que je dis. Je vous dis carrément, l'année dernière, mon vieux père, quand j'étais en Algérie avant le confinement, m'a appelé pour me dire, voilà, ça se pourrait que je parte demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, je suis vieux. Et il faudrait qu'on arrive là maintenant à faire la part des choses, c'est-à-dire à partager mon héritage entre toi et tes sœurs. J'ai quatre sœurs. Non, je lui ai dit une seule chose. Vas-y, c'est pas très compliqué. Mon père, c'est pas compliqué. Fais le calcul et tu partages sur cinq. Nous sommes cinq enfants. Un partage équitable. Je n'ai pas à prendre. Je n'ai pas à léguer le. Je n'accepterai pas que mes sœurs prennent le S5e. Il m'a dit mais. Je lui ai dit il n'y a pas de mais. C'est ainsi ou bien je me barre et tu ne me verras plus jamais. Voilà, mesdames, c'était ma. Ma contribution, aussi modeste soit-elle, et c'est un exemple. J'ai fait ça lors de ma dernière visite en Algérie, visite de ma famille, avant le confinement. Donc, pour vous dire que si je parle là, je ne parle pas en tant que donneur de leçons, ni en tant que patriarche. Le patriarcat. C'est une maladie, mesdames et messieurs, qu'il faudrait combattre, au même titre que l'islamisme, négateur des libertés. J'assume ce que je dis, mesdames et messieurs. Messieurs, j'en suis conscient, j'assume, et j'ai pas peur. Parce que moi, et l'idéal que je défends, cet idéal-là, de la double rupture, c'est un idéal où on n'appelle ni à la violence, ni à une ségrégation quelconque. Nous appelons à rompre avec un système qui fait de l'islamisme son allié pour empêcher la société algérienne d'avancer sur la voie du progrès. C'est une société qui doit avancer naturellement vu la situation dans le monde, vu la progression, vu ce qui se passe actuellement comme progrès humain. La société algérienne veut avancer, j'en suis conscient. Mais il y a un régime qui l'en empêche. Et l'une de ses armes fatales, mortelles, absolues, c'est l'idéologie islamiste, c'est-à-dire l'utilisation de l'islam à des fins politiques. C'est pour ça que nous appelons à la laïcité sans avoir peur ni honte. Mesdames et messieurs, j'aimerais bien que vous redonniez le micro à Alia. Je vais... Donc, est-ce qu'il y a
J'aimerais bien entendre une femme. J'aimerais bien. Venez, madame, s'il vous plaît. J'aimerais bien entendre une femme, s'il vous plaît. Prenez le micro. Mesdames, prenez le micro, s'il vous plaît. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Venez, mesdames. Voilà, j'ai une dame qui arrive là. Et ça me fait énormément plaisir. Dites ce que vous avez sur le cœur, madame. Ben, je suis là, je remercie tous ceux qui viennent tous les dimanches pour la démocratie, pour soutenir tous ceux qui se battent en Algérie, pour une nouvelle Algérie, pour un pays démocrate, libre, pour les droits de l'homme, une liberté d'expression, une liberté de la presse, et surtout un pays civil et non militaire. Et on l'a répété à plusieurs fois, on n'a pas besoin d'un pays militaire, dictatorial. On veut un état civil, et que ce soit pour le peuple, pour tous ceux qui viennent ici, pour les gens qui vivent à l'étranger. Là, actuellement, ils nous enlèvent notre identité que nous refusons. On est Algérien de souche. Même si on a la double nationalité, ça ne change rien pour nous. Nous avons notre algérianité dans le sang, c'est notre ADN, et personne ne va nous enlever notre identité. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je répète une deuxième fois, nous voulons un état civil et non militaire. Voilà, une démocratie pour les Algériens. Merci. Je vous en prie, madame. Atak Sahar, Talmer. Merci. Donc, oui, de nos, l'une de notre revendication principale. Manou, mouvement de rupture. Ni le militaire, ni quelconque idéologie divine. Nous sommes au 21e siècle. Les valeurs universelles sont là. Le progrès, l'égalité, justice, l'égalité homme-femme. Je n'ai pas à aller chercher dans le métaphysique, ni me soumettre à une quelconque domination d'un personnage, quel que soit son rang, au sein de l'administration ou au sein des corps constitués. Assumons-nous, mesdames et messieurs, et j'aimerais bien encore redonner la parole, ou plutôt donner la parole à une autre femme, s'il vous plaît. On aimerait bien voir des femmes ici. Allez-y, mesdames, venez, madame. Dites ce que vous voulez, madame. Vous êtes libre. Je viens d'arriver. Hein. Alors, c'est quoi une femme? Pour moi, une femme, c'est la vie. Une femme, c'est la vie. Vous voulez parler des droits de la femme? Ok. Mais les premiers droits qui doivent être octroyés à une femme, c'est dans la maison. De Gohan. D'abord, de Khamis. Par son mari. Par son frère. Par son père. Après, par la société, si la famille ne reconnaît pas les droits de la femme, enfin, le respect de la femme, comment voulez-vous que la société le fasse? Un ensemble de familles fait la société. Une femme équilibrée donne une famille équilibrée et fera une société équilibrée. Tant que la femme est désespérée, battue, non reconnue, elle va transmettre son malheur, ses sentiments à son fils, à sa fille, qui peut-être reproduira. On ne sera pas très bien. La société, Dieu nous a donné les droits, l'homme nous les a retirés. Il suffit juste de relire, de revoir et qu'à chacun fasse sa part. C'est la femme qui donne la vie, vous le savez. Il y a une fille et un garçon. Dans le ventre, il y a des, moi je pense, des jumeaux. C'est une fille et un garçon. Il n'y a pas de séparation. C'est l'homme qui a séparé l'homme de sa femme. Moi, on m'a toujours appris que je ne dois jamais parler à un garçon dans la rue. C'est dommage. Et pourtant, c'est mon frère. Mes frères de religion, frères du village, frères de tout, fraternel. Alors, c'est à tous les hommes et les femmes qui doivent faire un effort sur soi. Et je le dirai, peut-être que ça ne plaira pas, l'ennemi de la femme, c'est la femme.
c'est aux femmes aussi de faire un effort, de changer. Je suis désolée, c'est les femmes qui entretiennent certaines cultures, je dis bien culture, qui sont très mauvaises. C'est elles qui organisent tout. « Je suis très désolée, c'est elles qui organisent tout. »« Je suis très il n'y a rien. » Voilà, je ne vais pas trop m'étaler. Je n'ai pas préparé ce que je vais dire. Alors, s'il vous plaît, messieurs, respectez votre femme, respectez votre maman, respectez votre fille, respectez votre voisine. La voisine est la sœur de quelqu'un, d'un ami. S'il vous plaît, aimez les femmes. Je ne dirais pas aimer au sens. Respectez. Respectez. Au revoir. Mais allez, c'est toujours important et intéressant de s'exprimer. Donc, j'aimerais bien aussi voir une femme ici parmi nous, s'il vous plaît. Une femme pour nous dire. Tout à l'heure, il y a une femme qui m'a interpellé. Elle a parlé de la fameuse loi que le gouvernement algérien veut promulguer pour nous faire peur, à savoir la déchéance de la nationalité algérienne pour vous autres, nous autres. Donc, ils veulent faire de nous des apatrides. Eh bien, est-ce que ça va changer quelque chose en vous ou en moi, s'il vous plaît? C'est comme si demain, si lui, il ferait de moi un apatride, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait son patrie. Ben c'est bon, je vais m'agenouiller, me prosterner et demander pardon. Ben non, moi j'attends le pardon de Bouteflika, j'attends le pardon de des terroristes islamistes. Parce que même si ailleurs ils parlent de la dictature militaire ou les forfaits commis par l'armée, moi je connais ceux qui nous tuaient. Ceux qui ont tué les membres de ma famille, ceux qui ont tué mes amis, ceux qui ont tué mes collègues, ben c'était mes voisins. Mes voisins qui ont été endoctrinés au wahhabisme. Je les connais très très bien. Ce n'est ni la CIA, ni le Mossad, ni qui que ce soit. C'était mes voisins, que je connais, nommément, je peux vous nommer, comme je peux nommer aussi leurs victimes. Je connais, personne ne peut m'avoir sur cette histoire-là. Il faut transmettre aux jeunes, ferme-moi les jeunes, parce que ça relève du devoir de mémoire. Si on ne revient pas, mais non, on parle pas de ça, on laisse. Bien que c'est pas le thème du jour, mais ça a un lien. Parce que s'il y a ce machisme prédominant, s'il y a ce sexisme, s'il y a cette misogynie, s'il y a ce conservatisme qui concerne de larges pans de la société algérienne, ça ne vient pas de nulle part. C'est que derrière, il y a un pouvoir, il y a un régime qui l'entretient. Il entretient l'islamisme et c'est pour maintenir son hégémonie sur la société. C'est-à-dire... tu n'as pas à avancer, tu n'as pas à revendiquer les valeurs universelles. Reste confiné dans le métaphysique. Je le vois ainsi, c'est mon avis, juste de mon droit d'expression. Et j'en use, après, si c'est à débattre, je suis démocrate. Je suis prêt au débat avec qui que ce soit. Il n'y a pas de souci. En dehors de toute forme de violence, ni de ségrégation quelconque. Voilà ce que je voulais dire. Donc, leur déchéance de la nationalité dont ils nous menacent ou avec laquelle ils nous menacent, ben, ça ne nous fait pas peur. C'est fait juste pour diviser, comme d'habitude, c'est-à-dire pour faire affronter les différents courants idéologiques dans la société. Ces courants idéologiques peuvent s'affronter sur un terrain... ou plutôt conformément à suite à un débat, ou plutôt à l'issue d'un débat. On peut débattre. Nous sommes ouverts au débat avec tout le monde.
sans exception aucune. Après, nous avons nos exigences, nous avons le préalable de la démocratie qui relève des valeurs universelles, valeurs et principes universels. Oui, nous avons appelé au rassemblement des démocrates. Et ceux qui ne se reconnaissent pas en nous, il est libre de défendre son idéal sans qu'il me menace, ni au nom de l'armée, ni au nom de Dieu. Je n'ai pas peur des deux. J'assume et je m'assume. Je m'assumerai. J'aimerais bien voir une femme sur scène, s'il vous plaît. Haya, mesdames. Mesdames, c'est votre journée. Oui, bonjour. Bonjour pour dire que la femme algérienne, elle a été toujours sur le terrain. C'est pas d'aujourd'hui, depuis des siècles. Mais le Kahina, ou Djouraïhi, le Kahina, les Soumer, il y en a beaucoup, Hasiba Ben Bouli. En n'en parlant pas des femmes algériennes, la jeune femme algérienne, je peux dire les belles roses, les belles fleurs algériennes qui ont été tuées pendant la décennie noire, égorgées comme des moutons, juste parce qu'elles ne veulent pas porter le voile, ou juste soi-disant, comme ils disent, je ne sais pas, je ne comprends pas leur dialecte ou leur vocabulaire, parce que je ne veux pas répéter ce qu'ils disent. Je pense que c'est trop bas. C'est trop bas pour que je rapporte leurs phrases et leur idée, c'est pas possible. Moi je dis, je pleure ces femmes-là qu'on les a perdues pendant la décennie noire, parce que moi dans la décennie noire, j'étais parmi les gens qui avaient la trentaine, voilà. Ça fait 30 ans plus, et on a vécu ça. J'étais enseignante, on a été menacée, mes collègues de travail, ils me menaçaient que j'étais pas une femme à la hauteur, que je portais pas le voile, et que voilà, voilà. Malheureusement, ils nous ont obligés, comme il a dit, Flak, de quitter l'Algérie, de leur laisser notre patrie, laisser notre chère Algérie qu'on la pleure toujours. Croyez-moi que je pleure toujours l'Algérie. Si je suis là, parce que je pleure ma vie, je pleure ma patrie, je pleure la terre de mon pays où j'étais née là-bas. Je suis née là-bas, mais ma mère elle est enterrée là-bas, mes grands-parents, la terre, la poussière de l'Algérie, elle est chère pour moi. Alors aujourd'hui, on entend qu'ils nous disent qu'ils vont enlever la nationalité. Je veux dire, Zermadi, tu ne pourras jamais faire ça. Même tu le feras, tu ne peux pas changer notre sang. Nous, on est des Algériens dans le sang. Est-ce que tu peux changer le sang de la femme algérienne? Jamais. Jamais tu pourras faire ça. Par contre, sur le papier, oui. Mais notre nationalité est là. Notre amour, il est là. Merci. Et on aime l'Algérie. On est des Algériennes. Et la femme algérienne, elle a participé, elle a formé des hommes. Regardez la diaspora algérienne, elle est partout dans le monde. Elle marque son espace dans tous les domaines. Qui est derrière? C'est bien la femme algérienne. Même si elle est illettrée, la femme algérienne, et elle donne des intellectuels. C'est ça, la femme algérienne. Même elle est illettrée, elle a été privée de l'enseignement de l'école pendant la colonisation française, pendant 7 générations. Ça ne lui a pas empêché de former des hommes et des femmes. Sachez-vous, les hommes, que sans les femmes, vous n'êtes rien. Respectez vos sœurs, respectez vos mères, respectez vos femmes. Vous avez une liaison avec déjà la maman, la sœur, la femme, la fille. Voyez, vous ne pouvez pas vous détacher de ça. Nous, on vous aime, vous êtes nos enfants, nos maris, nos gendres, nos beaux-frères. Mais nous, on est fiers que vous soyez, donc, qu'on appartient à des hommes algériens. Soyez fiers de nous. Soyez fiers de la femme algérienne. Elle est sur le terrain. Elle l'a été toujours. Pendant la décennie noire, elle a trop payé. Les enseignantes, elles étaient égorgées comme des moutons. Les journalistes femmes, elles ont été égorgées. Rappelez-vous de cette décennie noire. Et nous, on sait maintenant c'est qui était derrière. DRS, Tawfiq Yedbah, Nassar Yedbah, Hukoumat Yedbah, Wikoulou l'Irhab, Wuddin, Wul'Islam. Ça n'a rien à voir de tout ça. Ils avaient des intérêts plus derrière, politique, géopolitique, je peux dire. C'est géopolitique. Parce qu'il y avait des gens derrière qui voulaient récupérer l'Algérie après 30 ans d'indépendance. Voilà. Et c'est pour ça que ça s'est passé tout ça. Il faut qu'on soit conscient. Et ces gens-là qui sont égorgés, ils sont des malades mentaux, ni plus ni rien. Mais ceux qui sont derrière, qui les ont poussés à égorger nos femmes, à égorger nos enfants, nos journalistes, nos médecins,
nos enseignantes, les pauvres, elle va enseigner, elle revient, sa tête coupée. Mais c'est pas possible. Alors si vous pouvez, rappelez-vous de cette histoire. Inch'Allah, l'Algérie nouvelle, et il y aura une Algérie, un état de droit, avec beaucoup de respect pour la femme, parce que nous, les femmes, on vous respecte les hommes. Mais par contre, vous, je m'excuse, il y en a certains qui ne respectent pas. Si on ne prend pas le vounard, on n'est pas respecté. Si on se porte... Mais ce que je ne comprends pas, messieurs, quand vous êtes en Algérie, vous faites la remarque à la femme, pourquoi elle est en Égypte, pourquoi... Elle veut se faire belle. C'est sa nature, non? Laissez-la. Si elle se met en mini-jupe, en pantalon, elle ne porte pas le voile, je pense qu'elle est libre. Mais quand vous êtes en Europe, vous acceptez tout. La femme, elle est en mini-jupe, elle est en string, elle est comme ça. Ah, ça passe. C'est une Européenne. Non, c'est une femme. On a le droit de vivre, je m'excuse. On n'est pas obligé de porter tous le hijab. Comme il dit le monsieur, on a peur. Ah, moi, j'ai peur de Dieu, c'est sûr. Et j'aime Dieu. Et Dieu ne nous force pas. Il ne force pas. Comme dit, comme on dit, même si je suis musulmane, je ne veux pas porter le hijab, vous n'allez pas m'obliger. Vous dites, vous êtes, oui, parce que l'ayat 12, tu ne portes pas le hijab. Il y a des actes aussi. Déjà, surveillez vos actes, contrôlez vos actes, contrôlez votre comportement. Soyez à la hauteur. Ben, je pose, d'ailleurs, j'essaie de faire rappeler un petit peu, peut-être c'est un peu profond, mais je le dis parce que j'ai 60 ans, j'ai de l'expérience, j'étais veuve, j'ai perdu mon mari, j'ai des beaux-frères, j'ai tout. Par exemple, question d'héritage, pourquoi on prive la femme d'héritage? Pourquoi? Parce que moi, j'ai perdu mon mari, accident de voiture à 32 ans, j'ai 6 beaux-frères qui ont tout pris parce que je suis une femme et j'ai 3 filles, j'ai pas le droit. Croyez-moi, je le vis jusqu'à maintenant. Et mes filles pleurent jusqu'à maintenant, ils me disent pourquoi on n'a pas une autre héritage? Pourquoi? Parce que c'est des garçons et mon mari est parti jeune. Ils n'ont même pas respecté la mémoire de leur frère. Alors s'il vous plaît, soyez un petit peu doux, soyez un petit peu gentils. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Notamment pour construire une nouvelle Algérie. Et je le dis du fond de mon cœur, parce que j'aime l'Algérie et je veux que ce soit à la hauteur avec ses femmes et ses hommes. S'il vous plaît, merci. Merci madame. Quand ça sort du cœur, c'est toujours émouvant. Ça touche. Ça m'a donné la chair de poule. Après, pour revenir aux années 90, c'est une autre paire de manches. Je ne veux pas y revenir là parce que nous sommes dans un contexte particulier. Mais moi aussi, j'ai mon témoignage. Ceux qui sont entrés pour égorger quelques membres de ma famille, on les connaît. Sont mes voisins, n'ont rien à voir avec l'armée ni avec une quelconque autre entité. Mes voisins qui ont été endoctrinés par Madani Mzarak dans la mosquée du coin. C'était mes voisins, je suis de Gigel, mesdames et messieurs. Donc, je suis très très bien placé pour connaître qui est qui et qui a tué qui. Ne vous inquiétez pas. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de dépassement. De forfait par-ci, par-là. Mais, bon, bref, on passe. Là, ma conseillère, je la connais pas, elle est en bonnet bleu, là-bas. De temps en temps, elle m'interpelle pour me lancer des informations comme ça. Je la connais pas, madame, mais j'ai beaucoup de respect pour vous, madame. Elle m'a dit que on a annoncé à la télévision algérienne que BMS, ou DMS, ou je sais pas, le prince héritier de l'Arabie Saoudite qui nous a exporté le wahhabisme, qui a disloqué, qui a fait effriter le tissu social algérien, et attendu, et on lui prépare la grande fiesta et tous les honneurs dans le cadre d'une visite officielle en Algérie les prochains jours. Ben, pour moi, il n'est pas le bienvenu dans un territoire qui a enfanté Abban Ramdan, Hassiba Ben Bouali, Jamila Bouhirad, n'est pas le bienvenu là-bas. Parce que le wahhabisme qui a fait que les masses soient endoctrinées, les jeunes, ceux qui avaient des familles qui veillaient, les gens qui avaient des familles qui veillaient, ont eu la vie sauve. Pourquoi je dis la vie? Parce que ça se passe dans la tête, n'ont pas été endoctrinés.
ceux qui n'avaient pas, Zawadia, comme on dit, les pauvres malheureux qui n'avaient pas de famille qui veillait sur la scolarité de leurs enfants et sur la fréquentation de leurs enfants, ils ont été endoctrinés au wahhabisme. Là, nous avons un devoir. Et notre devoir, c'est de participer à, pour faire guérir le mal. Ce mal, heureusement qu'il y a en Algérie beaucoup, beaucoup de modernistes, beaucoup de démocrates. Faut pas se fier à ce que disent certains courants idéologiques fascistes qui prétendent être les porte-parole du peuple. Faut pas se fier à cela. Les gens ont peur. Juste, la différence entre nous et eux, c'est qu'ils usent de violence et nous, non. Et c'est là, c'est par là qu'ils nous ont battus. Et tant qu'il n'y a pas un état de droit garant, on ne peut pas faire grand-chose. Donc on se bat sur un double plan, pour une double rupture. Ni militaire, ni islamiste. Voilà notre combat. Je laisse le micro. Khadra. Bonsoir, je reprends la parole, mais j'aurais aimé passer sur juste un peu d'histoire. Hein. Je suis désolée, on va faire un petit tour en arrière. Comme vous l'avez vu, à tous les moments de l'histoire, les femmes étaient présentes. Elles étaient présentes. Elles ont vraiment cassé les tabous pour monter au maquis. Elles ont cassé les tabous, elles ont cassé les tabous. Elles n'ont pas demandé la permission de leur père ou de leur frère pour monter au maquis. Moi, je voudrais parler juste de quelques femmes de notre histoire. Donc, je ne dis pas les anciennes, mais des femmes dont on ne parle pas beaucoup. Alors, je voudrais citer quelques-unes, comme Fatima Ben Osman, qui à 18 ans a milité au PPA. Elle a été arrêtée, torturée et elle a repris ses activités politiques. Comme elle a été trilingue, elle a été l'une des premières et des rares speakerines à la télévision française. Elle manifestait pour la démocratie en Algérie et même malade, elle a continué à manifester jusqu'en 1990. Je vais donner aussi un autre nom qui n'est pas connu. Isa Ben Zekri, qui est née en 1928. Elle a fait partie des premières cellules du PPA en 47. Et elle a contribué à la création de l'Association des femmes musulmanes algériennes. Les associations de femmes ont toujours existé. On a toujours combattu. En 1955, engagée dans la guerre de libération nationale, elle assure le secrétariat du comité central exécutif, milite directement avec Abdel Ramdan, qu'elle épouse dans la clandestinité, ça on ne le sait pas. En 1957, ils ont eu un bébé nommé Hassan. Le mois suivant, Abdel part en Tunisie et elle ne l'a plus jamais revu. Je parle aussi de Baya Alaouchich. Nafisa Hamoud, la première femme médecin à prendre le maquis. Il faut dire qu'au comité national de la révolution algérienne, qui s'appelle le CNRA, la candidature de Nafisa Hamoud a été rejetée. C'est pour vous dire que le patriarcat, il vient de très loin. Le sexisme, il vient de très loin. Et après, il y a aussi des femmes qui sont d'origine européenne. Et vous avez là la photo de Raymond Péchard, dite Taous, qui est morte au maquis. Elle est morte. Elle a vu ses deux combattants. Ces deux camarades combattants au maquis qui ont été abattus, c'était deux médecins. Elle est restée, elle a affronté les militaires, elle les a insultés, ils l'ont tuée à bout portant.
Je voudrais aussi parler des femmes comme Gaby Jiménez, comme Lucette Larivère Hadjali et tant d'autres à qui il faut rendre hommage aujourd'hui. Justement, je voudrais montrer comment il est important de voir la continuité entre les combattantes de la lutte de la guerre de libération nationale et les femmes qui, aujourd'hui, exigent un état de droit où l'égalité femmes-hommes est enfin reconnue. En 1956, dans le congrès de la Soumam, le FLN a parlé d'un état laïque, démocratique et social. Et même dans la charte de Tripoli, on disait qu'il fallait supprimer tous les freins à l'évolution de la femme et à son épanouissement. Malheureusement, il n'en a rien été. Je voudrais signaler le 8 mars 1965. Cette journée a été déclarée en Algérie chômée et payée. C'est la journée internationale des luttes pour les droits des femmes. Écoutez, j'ai organisé avec mes camarades Aqila Wared, la Irhamha, et la Mujahida Zohor Zerari. Nous avions un défilé absolument extraordinaire qui partait du champ de manœuvre jusqu'au cinéma Majestic, pour ceux qui connaissent Alger convenablement. Eh bien, ça a été l'une des plus grandes manifestations en Algérie sur le code de la famille. Il faut savoir quand même qu'il y a eu 3 projets de code de la famille qui ont été rejetés. Et ça, grâce à la mobilisation de l'UGTA, des femmes de l'UGTA, des femmes de l'UNFA, des anciennes moudjahidettes et des collectifs d'avocats. Malheureusement, les conservateurs, à l'époque on ne disait pas les islamistes, on disait quelquefois les frérots, les conservateurs ne désarmaient pas. Pour vous dire quelque chose, en 1969, il y avait un grand spectacle, c'était le spectacle, le festival panafricain. Une femme s'est qu'un khurjo, khurjo ma ouledhom, vachit tfarjo, wesh qalulhom, une femme d'art, hada ma kan, une femme d'art. En 1970, l'usine Sonelec, elle a été fermée pendant 3 semaines parce que les femmes travailleuses, ces femmes travaillaient dans cette usine. Elles ont été lapidées et empêchées de travailler. Il a fallu un cordon de sécurité pour ouvrir l'usine et protéger les femmes. En 1980, c'est une directive ministérielle qui a interdit la sortie du territoire national. Les femmes ne pouvaient pas sortir sans avoir l'autorisation du père ou du frère. Et c'est la mobilisation des femmes et des étudiantes qui a permis le retrait de cette directive. Je pourrais continuer comme ça l'histoire jusqu'à l'histoire d'aujourd'hui, mais c'est pour vous dire que les femmes ont été toujours présentes. Je ne veux pas continuer pour ne pas monopoliser le micro. La suite sera notre prochaine rencontre, Inch'Allah. Merci Alia pour cette prise de parole et merci d'avoir souligné la participation de beaucoup de militantes et beaucoup d'Algériennes françaises pendant la guerre de libération. Ces femmes-là, elles ont donné beaucoup pour l'Algérie et beaucoup pour l'indépendance de l'Algérie. Maintenant, il y a Nassim, voilà, il va nous dire quelque. Mesdames, messieurs, Nassim, c'est ce qu'on appelle un influenceur sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un des nôtres.
Aslama Nassim. Merci Mahdi, merci tout le monde. Un influenceur, non. Non, non, j'aime pas ce mot, je n'influence personne. Non, 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 non. Peut-être que... Enfin, mais bon, c'est un mot à la mode et puis c'est tout. Je voulais juste rapidement, très rapidement, revenir sur le témoignage qu'il y a eu de madame, celle qui a parlé avec son cœur au point de pleurer. Et c'est quelque chose... Il y a eu quelque chose qui m'a terriblement marqué dans sa... Alors que c'est une réalité qu'on connaît tous. Elle a décrit la violence que subit la femme algérienne dans la vie et la violence qu'elle subit aussi dans la mort. Et ça, c'est quelque chose qui m'a terriblement marqué. La violence, celle qu'elle subit dans la vie, là, on parle du quotidien. Que ce soit au sein de la famille, que ce soit au sein de la société, que ce soit aussi, parce qu'il ne faut surtout pas l'oublier, au sein du travail, énormément d'affaires d'harcèlement sexuel se produisent. Mais malheureusement, on n'en parle pas parce que ça reste tabou, extrêmement tabou. Et on le sait très bien, vu la mentalité actuelle, si la femme parle d'un harcèlement sexuel qu'elle subit au travail, elle sera la première accusée de cet harcèlement. On le sait très bien. Dans la rue, il y a eu des Algériennes qui ont fait des expériences, allez voir sur YouTube, où elles ont mis une petite caméra, où Mchette fait Alger. Je prends l'exemple d'Alger. Voilà. Et elles se font, je dirais pas accoster, parce que ce n'est pas... Elles se font insulter de manière... Elles se font draguer de manière extrêmement vulgaire, et ça part très très souvent à l'insulte. Et c'est... Et peu importe ce qu'elles portent, hein, qu'on se mette d'accord, peu importe ce qu'elles portent, elles peuvent être... une tenue que je réprouve, mais elle peut être avec un tchador, mais on lui parle quand même et on lui parle d'une manière extrêmement virulente, très très insultante au sein de la famille. Bon, on le sait tous. Et ça, c'est la violence qu'elle vit au quotidien. C'est la violence qu'elle vit dans sa vie de tous les jours. Et puis, même dans la mort, on lui impose une violence. Et cette violence, elle a offert. Alors, il faut le code de la famille. Alors, où fait l'humour, fait du mal, les maranèges, les habits, ne te fait autour. Bêche le mara qui m'a contrôlé, madame. Celle qui se retrouve, il y en a plein des cas comme ça. Des filles qui ont participé à créer la richesse familiale et elles se retrouvent spoliées par des oncles, des frères, des grands-pères ou je ne sais qui n'ont strictement rien fait et qui prennent tout. Et qui prennent tout alors qu'elles ont aidé leur père, alors qu'elles ont aidé leur mère, alors qu'elles ont participé à la prospérité de la dar, ou bien qui dit ouah, barani, goulam tilk, ou riem skin, trois de chauffe. Donc, elle doit subir et le deuil de la perte d'un être cher, et aussi l'injustice. L'injustice qui vient juste après. Et donc, elle doit violence, hein. On ne peut pas continuer à la nier. Mais pourquoi elle existe? Elle existe, tout à l'heure j'avais évoqué le code de la famille, elle existe parce que le régime algérien, dès le début, tout à l'heure, on évoquait celles qui ont participé à la guerre de libération, elles ont été minorées, comme les Algériens dans leur globalité, ont été minorées par un code de la famille émanant de ce régime. J'ai lu, il y a 2 ans de ça, un livre extraordinaire d'une militante américaine, juive, qui est devenue algérienne, qui a donné sa vie pour l'Algérie, qui s'appelle Hélène Mektoubi, et elle explique, allez lire son livre, ce qu'elle a fait hier à New York, comment elle a aidé l'Algérie à prendre son indépendance et comment elle a été traitée, elle et son mari, parce qu'il y a eu dans son parcours et la misogynie et en même temps cette volonté de mettre de côté les compétences. Et là je parle de son mari et même d'elle-même, je ne fais un mot, même d'elle-même. Et donc, Ils ont été minorés par un code de la famille. La femme est devenue une citoyenne mineure à vie. L'Algérienne, la citoyenne algérienne, on en a fait une citoyenne mineure à vie. Donc, d'un côté, on a ceux qui les ont minorés. Et d'un autre côté, on a ceux qui les ont chosifiés. Complètement chosifiés. Et là, ce sont les islamistes, ceux qui sont venus avec cette idéologie
complètement mortifère. C'est salafistes, c'est wahhabites, c'est frères musulmans, ces gens-là qui sont venus avec une idéologie qui a fait de la femme une chose. Classe. Oulette Metswesh. Oulette, elle ne peut plus se définir par elle-même. Elle se définit que par son mari, que par un mariage, que par le nombre d'enfants qu'elle a. C'est ça qui est devenu problématique. Haou il haqna. D'un côté, on a complètement mineur, j'ai un mineur. Bon, tu es citoyenne, mais tu restes mineur à vie. Ou bien, je dis, on va aller au-delà. On va la chosifier. Tous les walou le marahadi. Complètement walou. Et bien, ça a travaillé. Ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et donc, les mentalités, malheureusement, ont été gangrénées par ces deux approches. Elles ont été complètement gangrénées par ces deux approches. Et donc, de là, et moi je dis, que ce soit à l'homme ou à la femme, mais moi je l'ai fait et je continue à le faire. Il faut que tous en fassent un travail de déconstruction de ces conditionnements. On a tous grandi dans ces conditionnements. Moi le premier. Et donc il faut qu'on déconstruise tout ça. D'où la double rupture. Il faut qu'on déconstruise tout ça. Chauve. Parce que Adarna, elle a le régime. Adarna, elle a les islamistes mortifères. La Hadrotel et le Hirak. Il faut dire les choses. Le Hirak aussi a raté complètement ce tournant. Le machiwartisme, c'est à un moment où on a voulu parler, mettre sur la table le code de la famille, l'égalité en femme, qui sont un préalable indiscutable. Et bien à ce moment-là, le machiwartisme. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils te disent à la fin, comme les femmes algériennes se sont battues et elles ont fini par imposer leur carré, elles ont leur carré, elles sont tolérées. Non. Elles sont pas là pour être tolérées, Khoyelaziz. Elles sont là pour devenir de véritables citoyennes à part entière, être l'égale de l'homme. Donc même le Hirak a raté ce tournant. Même le Hirak, on a dit à la femme, attention, il y a la citoyenne algérienne. Donc il faut qu'on fasse la critique. Donc, je vous une haqna. Alors, comme Hadja, je vais vous dire une chose. Je vais vous parler d'un documentaire que j'ai vu, que vous pouvez trouver sur YouTube, sur l'État d'Israël et sur les ultra-orthodoxes et leur pression. C'est la pression qu'ils font sur l'État d'Israël, sur son fonctionnement. Et bien actuellement, en Israël, Blakel, ces ultra-orthodoxes sont en train de prendre le pouvoir dans un État qui est certes démocratique, mais qui le devient de moins en moins. Alors qu'on se mette d'accord, je parle de manière très froide, je fais de l'analyse, je ne suis pas en train de parler des Palestiniens. Je parle de la politique interne en Israël. Voilà, parce qu'il y a des gens, ils aiment bien faire des raccourcis. Actuellement en Israël. Actuellement en Israël, les ultra-orthodoxes sont en train, tout doucement, de gangréner la société. Et cela est dû à quoi? Premièrement, à une démocratie qui s'affaiblit de plus en plus. C'est pour ça que je le dis. Il n'y a qu'une démocratie forte qui peut nous protéger contre les obscurantistes. Il n'y a qu'une démocratie forte qui peut protéger le citoyen algérien, homme ou femme. Hadjel Loula. Et deuxièmement, pourquoi ils sont en train de gangréner la société? Parce qu'il y a de l'opportunisme politique d'un parti bien particulier qui s'appelle le Likoud. Donc ils sont en train de faire des alliances avec eux. Ataoulhom, le ministère du culte. Et bien j'ai appris une chose que je ne savais pas. C'est qu'en Israël, le mariage et le divorce est géré non pas par des tribunaux civils, mais par des tribunaux religieux, tenus par des rabbins complètement fous, ultra-orthodoxes. Et bien il y a des femmes qui peuvent rester pendant des années et des années, alors que leur mari a refait sa vie à côté, sans pouvoir divorcer, sans pouvoir faire leur vie. Un des ultra-orthodoxes, la femme n'est rien, elle est complètement chosifiée.
Ou Black Berkane, ils sont en train de prendre le pas sur les laïcs. Ils sont en train de chasser même des laïcs de plusieurs de leurs quartiers. Mais pourquoi ils arrivent à faire ça? Pourquoi il y a ce retour en arrière? Très simplement parce que la démocratie israélienne est en train de s'affaiblir. Parce que la démocratie israélienne est tenue par des gens qui sont complètement opportunistes et qui font alliance avec ceux qui vont finir par détruire peut-être l'État d'Israël de l'intérieur. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose. À un moment, on a eu le Mashi Wurtiz, parce qu'à un moment, on a décidé de faire alliance avec ceux qui te disent « Oui, le Mara n'est pas l'égal de l'homme !» Oui, le Mara n'est pas l'égal de l'homme. Et donc, Yajma'a, on peut parler matin, midi et soir, venir à la République matin, midi et soir, mais si on n'arrive même pas à faire notre autocritique, qui va habiter en avance? La femme a été chassée. Dès le début. La question de la femme, je ne parle pas de la femme en tant qu'être physique, mais la question de la femme a été chassée dès le début. Donc voilà. Donc, Hnaya, on est là. Parce que l'ASM, l'Hibboulan Karo, déjà, je vais vous dire une chose. C'est complètement fou qu'en 2021, en Algérie, on est encore en train de discuter est-ce que la femme, est-ce qu'on peut accepter qu'elle soit l'égale de l'homme? C'est complètement dingue. Les discussions sur un île, normalement, mais malheureusement, on est tenu par des gens qui veulent tout le temps nous ramener vers cette vision obscure de la citoyenneté. Voilà. Donc, ce n'est pas. Je vais terminer sur ça. Quand Sheima a été assassinée, je crois qu'il faut qu'il y ait une déconstruction des conditionnements. La plupart des commentaires, c'était quoi? Où est-ce qu'il y a ça? Ou alors, je suis sahaba. Ou je suis là. Ou qu'elle m'a dit, vous voyez à quel point. C'est-à-dire, on a face à nous une jeune fille qui a été mutilée, brûlée, violée, tuée. Ou tu vois, elle dit, où est-ce qu'elle m'a dit ça? Donc, il ne faut pas minimiser tout ça. Donc, ça passe par une démocratie forte, extrêmement forte. Et pas une démocratie qui se soumet, une démocratie qui met tout de suite les limites à tous ceux qui ont un programme obscurantiste, et tous ceux qui ne croient pas à l'égalité entre les hommes et la femme. Et ça passe aussi par un travail qu'on doit tous faire, c'est-à-dire celui de sortir des conditionnements, un travail de déconstruction personnelle. Ou bien avec Black, peut-être, Inch'Allah, j'espère, on pourra évoluer. Et tu sais, c'est la fin. Atakoum Saha, merci. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. C'est bien que les hommes prennent la parole et prennent la défense des femmes. Parce que être féministe, ce n'est pas être contre les hommes. C'est vraiment préparer une société égalitaire. Eh bien, merci beaucoup. Merci, une belle intervention. Merci aussi, ça fait plaisir de voir des hommes féministes, des hommes qui portent la cause des femmes. Et c'est vrai, c'est les femmes et les hommes ensemble. Il n'y a pas, c'est pas une guerre. Le combat pour l'égalité des droits, l'égalité des droits femmes-hommes, c'est pas une guerre entre les hommes et les femmes. La relation qu'il y a entre les femmes et les hommes, c'est une relation complémentaire. Il faut dire que quand les femmes décrochent le droit à femme, c'est l'épanouissement des hommes, c'est l'épanouissement de la société. Parce que la question des femmes, c'est une question centrale dans une société. Alors, merci à nos camarades qui portent le projet des femmes. Et c'est ensemble qu'on va avancer. Oui, il y a quelqu'un...
solidarité avec les enfants malades. Merci. Salam alaikum. Bonjour, bonsoir. Bon, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est pas grave, je vais quand même vous faire l'intervention. Je vais vous parler d'un petit problème qu'on a sur quatre enfants en Algérie leucémiques. Ils sont en phase terminale et on a fait appel à la diaspora partout dans le monde depuis maintenant pratiquement 10 jours. Et je me déplace aujourd'hui avec mes camarades ici sur la place de la République pour venir vous en parler directement. Ces enfants, aujourd'hui, il y en a un qui est à Birgir, il y en a un autre qui est à Alger, il y en a un autre qui est à Constantine et un autre qui est à Mostaganem. Ils sont vraiment, vraiment mal en point. Ils ont besoin d'une greffe de moelle osseuse. Et c'est une... Malheureusement, ça ne se pratique pas en Algérie. On n'a pas les moyens et on a un système de santé qui est tellement défaillant qu'ils sont en train de les laisser mourir à l'hôpital. Leurs parents sont démunis et c'est pour ça qu'on a pris ces quatre enfants à bras-le-corps. Leur problème, on l'a pris à bras-le-corps et on s'est dit, pourquoi pas faire unir la diaspora sur ce sujet-là. C'est une forme de hirak, c'est un hirak sanitaire. Donc on a créé un blog où vous avez tous les éléments, vous avez les devis de l'hôpital où nous voulons les envoyer. C'est un hôpital qui se trouve en Inde. Pourquoi en Inde? Parce que le professeur qui pratique la greffe de moelle osseuse la pratique très 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 bien et il est connu au niveau mondial. Je crois que c'est le troisième ou le quatrième professeur au niveau mondial. Donc il s'est proposé pour prendre ses quatre enfants à un coût minimum. Et on a ouvert en fait pour la zone euro, on a ouvert un cotisop de manière à ce que les personnes, les Algériens, les Algériennes et même les personnes d'autres nationalités puissent abonder et puissent faire les dons sur ce cotisop. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que c'est très long, mais vous avez toutes les informations sur le blog www.sosdz.org. Voilà, j'ai ces petits papiers dans ma main, j'espère que j'en aurai plus dans 2 minutes. Je vous souhaite infiniment beaucoup, beaucoup, beaucoup de dons. Et n'oubliez pas, les quatre enfants qui sont sur cette photo-là, ça peut être les nôtres, ça peut être les vôtres. Donc pensez-y et merci pour eux. À très bientôt. Merci pour cette annonce sur la solidarité. Alors nous avons une dernière intervention. C'est l'intervention de Zohair. C'est un témoignage qui... De sa part, voilà, Zohair, à toi la parole. Merci camarade Robin de m'inviter à prendre la parole pour cette journée un peu spéciale, pour cette journée de la femme. Et j'aimerais tant voir dans la conscience des femmes algériennes pourquoi la question de la femme algérienne ne se résume pas juste au 8 mars. La femme algérienne, c'est celle qui nous a donné la vie. Elle nous a donné l'espoir, elle nous a donné aussi l'amour du pays, l'éducation. Elle nous a donné le respect, elle nous a donné la tendresse. La femme algérienne nous a tout donné. Et je m'incline devant toutes les femmes algériennes pour témoigner d'un moment de respect pour la femme algérienne. Oui, nous avons vu des carrés féministes à Alger chassés par des intégristes islamistes. Autant que peut-être algérien qui s'inscrit dans une dynamique réactionnaire ou qui s'inscrit directement dans un combat frontal et pas d'opposition vis-à-vis du système algérien, parce que on parle beaucoup du système algérien, mais nous, autant que collectif, autant que peut-être sympathisants de la double rupture, ni militaires, ni islamistes terroristes, ni militaires voyous, pédophiles, nous croyons et nous propulsons la parole et nous revendiquons un état de droit et pas n'importe quel droit, un droit qui s'inspire des traditions ataviques de cette région qui s'appelle l'Algérie. Je reviens peut-être d'une manière assez brève parce que je suis mal placé pour parler de la condition de la femme ou l'Algérie. Moi, je suis né dans une région qui s'appelle Asfoun.
dans un village qui s'appelle Ebouzdane. Et je suis fier de l'être. Mais le combat que je porte un combat où je revendique un combat démocratique, un combat d'idées, un hirak, si vous pouvez, on peut appeler ça un hirak d'idées, un hirak de construction, un hirak aussi de déconstruction. Tout à l'heure, notre ami Nassim, il a parlé de la destruction. Oui, il faut déstructurer en fait. Pour construire, c'est la première démarche. Parce que nous aussi, autant qu'hommes algériens, nous devons aussi s'interroger sur notre masculinité. Parce qu'il n'y a pas que la femme en Algérie qui pose problème. Il y a aussi cette manière. Parce que chez nous, le féminisme, pour moi, et permettez-moi peut-être, j'ai tort, pour moi, le féminisme chez nous, c'est une sorte de culture. C'est une sorte de culture. C'est pas une idée, mais c'est une sorte de culture. Pourquoi ? Je peux me référer à une date qui me semble un petit peu clé pour expliquer pourquoi le discours d'émancipation, le discours qui revendique l'égalité entre les sexes a reculé. C'est une date pour moi qui était clé en fait. 1978. 78, c'était quoi ? C'était la reconnaissance, et je n'ai rien contre les juifs. C'était la reconnaissance de l'État israélite par la gauche nassérienne. C'était la révolution iranienne par le... On sait qu'est-ce qui s'est passé avec le Khomeini. C'était aussi la guerre en Afghanistan. Et le discours de la classe ou des gens qu'on appelle de gauche en Algérie a rétréci d'une manière spectaculaire. Pourquoi ? Parce que le discours religieux a gagné beaucoup plus d'espace que le discours démocratique, que le discours d'émancipation. Je peux citer un exemple de Hamid Farhi, par exemple, qui est un militant qui a décidé de mourir dans un hôpital parce qu'il a refusé des soins d'aller se soigner en Europe. Fidèle à ses principes, il a préféré de mourir sur une chaise dans un hôpital en Algérie. Et j'imagine, en fait, il y avait des traces comme ça sur les réseaux sociaux, sur Internet et tout, dans l'Internet. Mais il n'y avait pas de papier. Même s'il a écrit des textes, mais il n'y avait pas de papier. Donc, le féminisme, à mon sens, il doit se construire aussi avec les hommes en Algérie. Nous aussi, en tant qu'hommes algériens, nous devons reconnaître et dire que combien nous avions tort en fait. Vous savez, ce qu'on appelle dans l'histoire récente en Algérie, l'opération Jumelle, si ce n'était pas les femmes dans les villages, je pense que ces pauvres maquisards qui portaient des fusils de chasse, ils n'auraient aucune chance d'exister. Donc, la femme algérienne, elle est présente, elle est là. La femme algérienne, moi je revendique aussi de Wassila Tamzani, de combat de Wassila Tamzani. Même si elle a servi quelque part, elle a donné beaucoup de choses à la société algérienne. Mais qui connaît actuellement Wassila Tamzani au sein du territoire algérien? Il y en a très peu de gens qui connaissent cette femme courageuse, y compris aussi Jamila Abouhi. On se réfère toujours à des figures. À des figures qui ont fait l'histoire. Mais ce que nous revendiquons, ou ce que la société algérienne revendique aujourd'hui, ce n'est pas juste l'égalité entre hommes et femmes. C'est aussi la démocratie. C'est aussi un état de droit, de justice. C'est aussi l'émancipation. C'est aussi ce désir de s'approprier de changement, de désir de changement. Parce que nous croyons que le changement, il viendra que de nous, en fait. De nous autant qu'Algériens. Nous devons être responsables et porteurs de ce projet démocratique. Et quand on dit d'un projet démocratique, ce n'est pas juste des paroles, c'est une croyance. Et nous faisons en sorte qu'on voit cette croyance puisse être tangible, concrète dans la société algérienne. Parce que la démocratie a besoin toujours de son espace. Elle a besoin de son espace. Pourquoi ne pas aller justement dans le sens de récupérer cet espace qui a été, parce que nous vivons quand même ce combat ou ce mouvement qu'on appelle, moi je ne suis pas un hirakiste,
je refuse catégoriquement cette nomination, cette manière un petit peu abrupte de donner des titres aux gens. Je ne suis pas un héraquiste, je suis un activiste. J'active pour l'émergence d'une société démocratique en Algérie. Et je ne m'inscris pas dans cette dynamique qu'on appelle peut-être une sorte de démagogie cognitive. C'est-à-dire la fabrique de l'imposture. Donc, peu importe, pas prendre son smartphone et pas parler au public. Non. Nous croyons à l'accaparation de l'espace. Nous croyons à l'émergence des initiatives, des propositions. Mais tout ça va dans le sens de la construction d'un état de droit, d'un état qui respecte la femme. Bien sûr, je peux appeler aussi à l'abrogation du code de la famille en Algérie. C'est une aberration, c'est une insulte pour la femme algérienne. Ouais. Bien sûr, on va clôturer, mais on reviendra peut-être dimanche prochain pour continuer le débat. Mais ce que j'ai envie de dire, que voilà, cette femme algérienne, le combat de la femme algérienne est aussi le combat de l'homme algérien. Et nous devons faire face, justement. Et la date que j'ai citée tout à l'heure, 78, que l'espace de l'obscurantisme a gagné beaucoup plus d'espace au sein des sociétés dites arabes, a produit quelque chose de terrible au sein de nos sociétés. Moi, j'ai été biberonné par le système éducatif algérien. Vous savez, j'étais lycéen, un prof en sciences islamiques qui définit la femme comme étant une incarnation du diable. Donc, si je suis la logique d'Aristote, ça m'a permis de poser une question. Je lui dis, en fait, toi, donc, si tu vois ou si tu perçois comme quoi la femme c'est une incarnation du diable, donc toi, tu es un produit, voilà. C'est une femme qui t'a donné vie. Est-ce que, donc toi, autant qu'homme, tu fais aussi partie, ou tu portes aussi quelque chose, automatiquement, quelque chose, voilà, qui est diabolique. On te demande de sortir de l'école. Dieu, moi et les autres, de Salim Bashi, qui est un écrivain algérien. Il a décrit le système éducatif en Algérie. C'était une aberration, c'était une séquestration, une sorte d'isolement. Tu me présentes la femme comme étant une incarnation du diable. C'est voilà, parce qu'en fait, le combat des femmes en Algérie aussi, elle ne se résume pas au 8 mars, elle est aussi éducative. Je vous salue, merci beaucoup, et vive la démocratie, et vive l'Algérie unie. Merci Azoël, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, ce n'est pas votre compagnie qui nous déplaît, bien au contraire, cette agora, l'agora du mouvement Double Rupture, a été dédiée aux femmes, et notre combat pour les femmes, pour l'égalité femmes-hommes, ne date pas d'aujourd'hui, ne s'inscrit pas en une seule date annuelle. Nous avons été, voilà, on nous a demandé de tout clôturer, les services de l'ordre. Mesdames, messieurs, c'est grâce à vous qu'on est là. En fait, nos ressources, et nous nous ressourçons grâce à vous. C'est de vous que nous nous ressourçons. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. C'est comme ça. Le combat continue. Continuez le combat autour de vous, chacun en fonction de ses moyens et de ses capacités. Merci à vous tous d'avoir été présents et présentes parmi nous. Le combat continue. Le combat continue pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Le combat continue pour une Algérie libre, démocratique et laïque. Sahito, à la prochaine fois. Et le combat continue. Voilà. لازم نقطع الميزان العدل ما يسواش في غيب الميزان يا ناس الجزائر غطاو الشمس بالغربال نحاجيكم يا بنات 20 سنة هبال
toi.